I stay strong, forever young, may you live long. With perseverance, hold on and stand tall. Never back down with my back against the wall. They can never hold me back. Nah. I'm unstoppable. I'm fearless. Salut à tous, bienvenue dans CTCR. Et oui, voilà, ça y est, on a sorti les masques. Là, on sort de l'opération de Grey's Anatomy. C'est ça, c'est exactement. Pour me sortir en doublage, on a les mêmes masques pour les séries hospitalières. Ça fait bizarre de présenter avec ça, mais bon, au moins la sécurité c'est respectée. Toujours. Les gestes barrières. Ça va ? Ah oui, il faut faire comme ça. Docteur Ken, bonjour. Ouais, c'est ça, on va se laver les mains. Bon, en tout cas, vous êtes là pour votre actualité PlayStation, en partenariat justement avec PlayStation. Nous sommes équipés des meilleurs chroniqueurs de la Terre. Ça faisait longtemps que je ne t'avais pas vu, mon cher Ken. Comment vas-tu ? Ça va bien, Donald, on s'est croisé ce matin. Mais c'est je peux le dire. Oh, quand même. Ça y est, on brise les secrets les dits. Mais écoute, ça va très bien, évidemment, puisqu'aujourd'hui est un grand jour. Ah bon ? Oui. Vous un grand, voir, grand jour. Le lobby CTCR a encore fonctionné. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais pas pour moi. Mais... pour toi aussi, Titavion. Bon. D'ailleurs, mon cher Titavion, avant de te saluer, j'ai commencé doux, mais alors, on en avait parlé la semaine dernière en off et j'avais dit ouais, ça me plaît pas trop. Et là, finalement, mais je kiffe. Tu kiffes. Ah, mais je kiffe de fou. Ah ouais, putain, c'est ouf ton revirement parce que t'étais vraiment en mode. Ouais, et je me dis, j'aime pas les fast FPS et finalement, mais je sais pas, choper tous les trucs. Quand t'es dans le flow du jeu, c'est génial. Ah, mais grave. On est bien d'accord. Et puis, les petits moments d'adrénaline quand tu as des grosses arènes. Enfin bref, c'est un autre débat. Alors, hey, me regarde pas avec ces yeux-là, je ne parle pas de Destiny 2, on parle de hein. Dis-toi qu'il y a un Vidoc 2. Qui vient de sortir et je ne l'ai pas mis dans cet TCR. C'est vrai ? Voilà. Quoi ? Un Vidoc, c'est un vidéo documentaire. Ah d'accord. Ah, il utilise des mots qu'on comprend. On en parlera la semaine prochaine. Non mais enfin, j'ai hâte. Le petit lexique du Trinel. Comment ça va ? Écoute, ça va très bien et toi ? Mais, parfaitement bien. Je suis ravi d'être avec vous. Toujours pas dans Spider-Man Miles Morales ? Toujours pas. Toujours pas. On a vu Peter Parker Spider-Man dans le dernier trailer. Peut-être on le montrera aujourd'hui. Non. C'est pas. Ah dommage. On l'a vu. Il est apparu. Ouais. Donc. Il parle avec sa bouche et tout. Non, il parle en anglais. Il n'y a que en anglais actuellement. Donc peut-être que tu as été supprimé comme toujours. Moi, j'ai été delete. Ah, toujours, c'est ça. Tu sais, on va avoir une magnifique voix, tu sais, générée. C'est ça. Bien joué, Miles. Tu as maintenant les clés pour réussir. Ils vont reprendre Malik Bentala qui était disponible du coup. Ils ont changé l'acteur, ils vont peut-être changer la voix. On ne sait jamais. Bon, en tout cas, ce que l'on sait, c'est que le lobby c'était sert à marcher. Oui. Tu as ta télé ? Oui, non. Ah. Non. Dommage. Non, bon. Mais par contre, j'ai l'occasion de montrer à Titavion ce qu'il ne verra pas avant 2021. Ce qu'il ne pourra pas préco. Oh, la PlayStation 5, ça y est, nous l'avons. Wow. Alors c'est la première fois que je la vois, je vous avouerai, parce que j'étais pas au journal ce midi. Donc mais... c'est la deuxième au journal, c'est ça ? C'est ça, exactement. C'est ça. Ouais, on n'a pas eu l'exclu, le journal l'a eu. Bon. Attends, faut qu'on ait l'air étonné. Ah oui, mais moi je ne l'ai pas vu, je la découvre. Ah bah oui, tu l'as pas vu non plus, toi. Ça fait plaisir de voir. Je vais me lever, je suis désolé à la régie, mais parce que bon, je veux pas faire comme Lox. Je rappelle que Lox a fait tomber une PlayStation ce midi. Ça n'était pas une PS, rappelons-le. Ouais. Mais non. Et oui. Une PS1. Une PS1. Du coup, il y a un trou dans le sol. Ok, alors. Tomber une PS1. Allez-y. On fait un unboxing en direct. Moi je ferai pas ça seul. Ils sont. Ils sont où tes gants blancs ? Ah non, moi je m'appelle pas Maxime Chao. Écoutez.
Voilà, hop là. Donc effectivement, c'est blanc, hein, vous avez vu. Alors, le carton aussi. Ah là là, incroyable, quel suspense. Ah oui, bah oui, ça c'est ça sur quoi vous êtes pigné dans le journal pendant... Une première boîte à enlever. Qu'est-ce qui, c'est quoi, ah, il y a une première boîte à enlever. C'est quoi le délire avec le câble HDMI là? Bah ça, c'est un... il est un peu court, tu vois, je trouve. Ah, ça a l'air d'être un peu court. Ta console, tu la mets à combien de mètres de ta télé? Ah, ça dépend, c'est elle est grande, la PS4, donc, la PS5, pardon. Donc, tous les télés sont grandes aujourd'hui. Non, mais oui, c'est ça aussi. Le câble, il fait 1m20, ça suffit largement. 1m20, c'est moins que la diagonale de ma télé. Moi, je fais mon deuxième unboxing. Mais j'ai la manette, mais je te laisse faire avant. Vas-y, vas-y. La manette, après, dans un second temps, voilà, vous voyez, je la couche. Ah, il y a des codes gratuits pour les jeux. Vous écoutez? Alors, PCMVX. Non, je déconne. Quel qui plonge dedans. Vraiment? Comment? J'allais, moi. Allez-y, hein, moi, je galère un peu. Non, non, mais vas-y, on fait ce patogé, là. Qu'est-ce que c'est? On t'aiderait bien, mais c'est tellement marrant. Unboxing. La PlayStation 5. Mais tu sais quoi? Depuis tout le temps, tous les mois, on disait, oh, elle est grosse, elle est grosse. Bah, je la trouve pas si grosse. Exactement. Elle est moins impressionnante. Exactement la même impression que toi la première fois que je l'ai vue. On se comprend de plus en plus avec elle. Je pensais que ça allait être vraiment énorme. C'est marrant, j'ai regardé le journal tout à l'heure et je la pensais grosse quand je regardais les images. Et finalement, en vrai. Bon, le fait est, elle est quand même plus grosse que n'importe quelle console jamais sortie. Mais. Ça va. Ça va. En vrai, oui, je la voyais beaucoup plus impressionnante. C'est toujours plus petit qu'une tour de PC. Bon, par contre, effectivement, comme prévu, hein, le plastique laqué est un nid à traces de doigts. Mais en vrai, franchement, elle est quand même très jolie. Le petit logo, là, qui est incrusté dans la coque, est quand même vraiment chouette. Ben voilà, ça y est, elle arrive dans combien? Un mois, un petit peu, 3 semaines maintenant, pour ceux qui l'ont précommandé. Je vous lis sur le chat et vous parlez de ça reste une grosse console. Je vous promets que j'ai regardé toutes les mêmes vidéos YouTube que vous. Je me suis dit, ça va être gros, trop gros. Je vous promets qu'en vrai, c'est pas si gros que ça. Vraiment. En fait, elle rentre dans un sac à dos. J'avais peur qu'elle ne rentre pas dans un sac à dos. Oui, non, rentre dans un sac à dos. Par contre, je comprends rien du socle. Hein. Je vais te montrer. D'accord. Je suis désolé pour le réalisateur. Je ne sais pas si le réalisateur m'a, je n'ai pas de retour, donc je vais vous dire. Mais bon, le socle, voilà, a deux positions. Donc, vous avez une position ici où le socle est fermé, ce qui permet à la console, tu vois, d'être posée à l'horizontale. Donc là, vous voyez, ça ne s'appuie pas. Et vous pouvez tourner le socle là. À ce moment-là, vous voyez, ce petit bitounou s'enfonce. Okay. Et là, vous pouvez la poser à la verticale. Et pour la fixer, vous avez la vis qui apparaît ici derrière. Donc, voilà. En fait, le truc, c'est que peut-être que le socle, parce que tu peux poser le socle comme ça, on est d'accord, en dessous là. Oui, de l'autre côté. Ouais. Mais là, quand elle est comme ça, grâce au lecteur physique, elle tient quand même. Non, je veux dire, en fait, c'est une très mauvaise idée de faire ça. Elle glisse. Ah ouais. Regarde. Elle glisse. Juste bouge. Non. Bouge là comme ça. Voilà. Ah, tu vois à quel point elle bouge vite? Ah, j'avoue, ouais. En fait, il faut vraiment le socle qui a une surface adhérente. Ouais. Si tu la mets comme ça sans le socle, tu t'exposes vraiment à des gros problèmes. Il suffit que tu aies un câble de brancher, tu tires dessus, ta console peut partir vraiment avec. D'accord. Parce que le revêtement de la coque blanche, c'est vraiment du plastique sur du bois, là où c'est la plupart du temps posé. Ça va avoir tendance à glisser. C'est vraiment pour ça qu'ils fournissent le socle. Et c'est marqué dans la notice, ils recommandent vraiment d'utiliser la console avec le socle. Parce que voilà, si tu la poses comme ça, effectivement, elle est bancale. Bah, il disait le concepteur qu'à l'horizontale ou à la verticale, elle est cool de la même manière. Au niveau de la chaleur et tout ça, il n'y a pas de souci. Hein. Tout à fait. Tu peux vraiment utiliser les deux positions, mais quelle que soit la position que tu utilises, le socle est indispensable. Même à l'horizontale? Oui. Bon, oui, à l'horizontale, c'est obligatoire, sinon elle ne tient pas. À l'épreuve du temps. Ah ouais, à l'horizontale, j'ai pas vu ça comme ça. Regarde, à l'horizontale, mais là, à l'horizontale. Là. Mais je pensais qu'avec le à l'horizontale, lecteur, elle ne tient pas la console. Tu vois, oui. Oh, le délire, j'avais pas vu ça. Ok. Voilà. Je savais pas. Après, bon. De mettre ça. Mais okay. Après, c'est très facile à mettre. Hein. Oui, mais c'est bon. Hein. Le design de la console fait qu'elle est quand même plus classe à la verticale, en fait, la console. Hein. Et du coup, dans l'unboxing, t'as le truc de anti. T'as le gel. Oui, alors, oui, voilà, tout est offert avec. C'est beau, c'est bleu, et ça, c'est quand même nickel. Non, évidemment, non, c'est parce qu'on va se passer la console. Donc, tiens, lève-toi les mains, mon cher Donald. Puisque, je vous l'ai dit, votre gel, on dirait du lubrifiant. Bah, ça va, ça devrait pas se trop. Oh merde, la PlayStation. Ah oui, c'est vrai, détends-toi. Fais voir la manette, du coup, que je la montre, puisqu'il y a plan sur mon ventre. Depuis le temps que je me saoule avec la manette, a-t-on vraiment besoin? Je m'en fous de la déballe en premier. D'accord, vas-y. Oh là. Parce qu'on l'a pour pas très longtemps. Wow, alors, Donald, le feeling de la manette pour la première fois. Alors, Donald. Incroyable. C'est véritablement... Je suis un joueur de toutes les consoles. Appuie sur L1 et R1.
Ah, il y a des cliquetis maintenant. Ça déchire. Je vous promets, elle paraît. On disait tout le temps que les manettes Xbox étaient grandes et que les manettes PS4 étaient plus petites. Et j'ai toujours kiffé aussi les manettes Xbox. Là, il y a un truc aussi qui est large, un peu les bords un peu ronds. Oui, elle a l'air d'être mieux. En fait, pour les petites mains, c'était bien la PS4. Là, ça a l'air d'être un peu plus homogène. Ouais. Je vous promets, le feeling manette, il est ouf. Vraiment, c'est plus large. J'ai l'impression que j'ai eu, elle est plus pensée pour les mains, mains plus grandes que la manette de PS4. Ouais, elle est moins manette japonaise en fait. Au niveau feeling, c'est beaucoup mieux que ce que je préférais qu'on avait sur la PS4. Que je la montre en gros plan, hop là, alors attention. Donc effectivement, voilà. Et tu disais ce midi dans le journal que le nouveau revêtement des touches plastique. Tu peux t'asseoir, hein. Oui, je sais pas pourquoi je suis. Bah attends, il se fait chier à faire un plan. Ah, on a le retour. Ah, pardon, pardon la régie, excusez-moi. Pardon, voilà. Je monte la manette. Donc effectivement, le cliquetis d'ailleurs, et du coup, tu ressens davantage effectivement le cliquetis sur les gâchettes. Et par contre, alors j'ai l'impression qu'ils ont un poil corrigé. Alors je vais essayer de la montrer comme ça. Parce que moi, ce qui m'agaçait un peu sur la manette PlayStation 4, c'était que la gâchette L2 et R2 glissait. Parce que justement, le retour n'était pas assez marqué. Il est davantage. Il l'est davantage. Ah bon ? Ouais. Il l'est encore davantage. Donc, du coup, tu tiens beaucoup mieux la manette et ça évite que tes doigts glissent. Voilà, franchement, là, c'est sans le jeu, mais le feeling, c'est trop cool. Sylvain, par contre, Sylvain, oui, mais c'est pareil. T'es bourré. C'est une nouveauté, cette fabuleuse manette, merci. Alors, écoutez, le sans retour, parce que les tests les impressions de la DualSense arriveront aujourd'hui sur jeuxvideo.com. Ah bon ? On ne peut pas encore vous en parler, mais normalement, ça arrivera bientôt. Mais effectivement, cette fameuse manette, c'est tout le game changer de la PS5, en tout cas selon PlayStation, puisque elle doit avoir le retour haptique, notamment sur des jeux comme Astro Playroom, mais plus globalement, notamment sur Horizon. Il faut imaginer quand on bande un arc qu'on a un retour de la vibration qui fait que c'est plus difficile, etc. au fur et à mesure que vous visez. Un retour de force. Et sur Astro Playroom, en fonction de la texture du sol, des murs, etc., vous aurez aussi un retour au niveau des vibrations qui sont plus détaillées que celles de la manette PS4. Donc clairement, alors oui, elle est plus lourde. J'ai l'impression que celle de la PS4. Mais de toute façon, la batterie est meilleure. Oui. On est d'accord. Est meilleur. Et c'est du USB-C. Voilà, si. On l'a déjà dit. Elle recharge plus vite. Et ça, c'est très bien. Et surtout, c'est un connecteur plus solide que. Tout à fait. Le micro USB. Alors, je vous ai lu, et pas, encore une fois, je rebondis dessus, mais Hellwings, tu parlais des manettes de la concurrence. Je te promets que là, c'est le changement, il est incroyable. Tu prends la manette, en une seconde, tu fais OK. Et c'est ça que j'attendais. Moi, la PS5, c'est le truc que j'attendais, c'est que la manette s'étoffe un peu en largeur pour retrouver ce feeling que j'avais pas forcément avec depuis la PS, même tous les PS2 depuis les premières. Oui. Là, on a une manette plus imposante. Elle est plus imposante que la concurrence. Hein. C'est vrai. Cette manette. Par contre, que les joueurs PlayStation se rassurent, hein, l'écart entre les deux sticks analogiques, l'écart entre la croix et les boutons reste le même. Donc vous allez avoir globalement, même si l'impression de prise en main est meilleure quand tu as des grandes mains, en termes de jouabilité, vous allez retrouver vos sensations immédiatement sur la manette. Je ne sais pas si on peut voir, mais alors je n'allume pas la console, hein, je vous rassure. Je ne sais pas si on va réussir à le voir. Ben non, on ne voit pas trop avec les lumières. Mais en gros, les LED sur le côté s'allument et... Bon, c'est un petit peu plus propre, effectivement, que le simple truc coloré ici. Et en dessous du bouton PlayStation, tu as un bouton mute du micro. Pour le micro, oui, parce que c'est vrai qu'on l'a vu la semaine dernière, on peut dicter un message, on peut discuter avec ses potes sans pour autant avoir branché un casque. Répondre à sa femme du côté de parler et en même temps rester dans la partie parle, parler à tout le monde, ça c'est utile. Exactement, voilà. Donc ouais, franchement, une manette plutôt réussie. Hein, et c'est pas faux qu'il parlait sur le chat, non mais pour les petites mains, pareil, c'est juste que je trouve que c'est plus adapté pour toutes les morphologies. Oui, c'est ça. Je serais un peu plus tempéré, j'ai plutôt des petites mains et c'est vrai que la manette PS4 me tombait particulièrement bien dans les mains, surtout au niveau des sticks analogiques. Il y a des cheveux, ceux de Lox. C'est ceux de l'âme qui restent ici très longtemps. C'est ceux de l'âme qui restent ici depuis très très longtemps. Ce sont des cheveux contact. Non, je pense que c'est à Lox, je vous dis. Bon alors, cette console, Donald, t'en penses quoi? J'ai regardé les petits détails, on voit les petites gravures des CTCR, parce que ça n'est pas autre chose que pour le logo elles CTCR. Elles sont sur la manette aussi, d'ailleurs, on rappelle, derrière, si tu regardes derrière, donc tu sens un revêtement un peu granuleux,
Si tu zooms, ah, ce oui. sont des CTCR. Non, ah, ce sera impossible à montrer, hein, je suis désolé. Non, impossible, mais oui, elles sont... Elles incroyable, sont mais oui même. Par contre, du coup, les petites gravures, elles sont que sur le rebord. Quand on arrive après les ailettes, ça redevient blanc uni. Ça fait définition stylée quand même. Ouais, franchement. J'avoue, c'est quand même pas mal. Ouais, sachant qu'il y a eu un constructeur tiers qui a annoncé des faceplates personnalisées, donc avec d'autres couleurs, donc avec justement les données qu'avait fournies Sony. Donc c'est... je pense que ça peut permettre justement l'arrivée de vraies versions collector, ce qu'on l'a vu sur la PS4. La plupart des collecteurs, elles étaient un peu chum hein, quand même. C'était soit genre ils changeaient juste un petit bout. Là, il y a quand même moyen de complètement changer la console du tout au tout quoi. Pour ce qui est de la coque, même si c'est en blanc, on est retour sur un plastique qui est le même que la PS2. Voilà, ah ouais c'est pas le plastique de la PS3. Le PS4, c'était un demi-demi sur le dessus. Là, voilà, c'est la même sensation que si vous tapotiez sur une PS2 en d'accord. Blanc. Voilà. Par contre, du coup, je vois qu'il n'y a que c'est un léger USB comme en façade. Ouais, non, si, USB en façade. Si il y a deux USB, deux parce qu'il y a un USB-C et oui, un USB. Oui, mais là, je parle, si je veux avoir mon casque PSVR et le câble... Ah bah non, c'était l'USB-C pour recharger, j'ai rien dit. Ah bah voilà. On peut pas rewind ? Ah non, c'est pas YouTube. Non, mais si tu veux, je pourrais cutter dans le... Bah, en fait, non, mais c'est vrai que du USB-C, du coup, c'est l'occasion de souligner. C'est vrai que maintenant... Ça recharge par là, et c'est vrai que le micro USB avant, c'était mais un câble. Mais le câble qui est fourni pour la manette, c'est USB A, USB C. D'accord. D'accord. Bon, bah écoute. Et bah très bien. Mais après, c'est cool. C'est plutôt, simple en fait. Tu branches, tu vois, le câble d'alimentation, tu branches ton HDMI, t'as la console qui est directement prête à démarrer. Il n'y a pas un million de câbles derrière. Juste, il manque peut-être, alors on ne sait pas, le fameux adaptateur pour le PlayStation VR. On va voir si jamais il y a un adaptateur pour le PlayStation VR. Ah ouais, du coup, on attend toujours de savoir, parce que le PlayStation VR est compatible avec votre PS5. Et l'adaptateur sera fourni avec, je crois. Fourni avec quoi ? Avec la console. Bah, justement, on ne le voit pas. Ouais. Donc c'est ça la question. Presse. Est-ce qu'ils nous l'ont piqué et on ne l'a pas vu ? Ouais. Ou est-ce qu'il est dessus ? Mais on verra. Bon, en tout cas. Pourquoi il repart ? Parce que la rédaction en a besoin pour faire ses tests. Elle nous la prête très gentiment. Ouais. On en aura une normalement pour cet TCR. Et on vous montrera évidemment à partir du 19 novembre, ou en tout cas la semaine de lancement, puisque la console sort le 19 novembre, rappelons-le. Pour ceux qui ont la chance de l'avoir précommandée ou qui en trouveront en stock. N'est-ce pas, petit avion ? Voilà, le jour J. On va pouvoir vous montrer tous les jeux de la PlayStation 5 et notamment Astro Playroom, évidemment, mais aussi le nouveau Spider-Man, Demon's Souls, etc. via des longues sessions de jeu et peut-être. Des petites nouveautés au niveau des missions, qui sait. Tout à fait. Et pourquoi est-ce qu'on doit la rendre ? Alors, c'est... du coup, pour la troisième fois, rend l'argent. Non, pardon, rend la PS5. non, mais c'est mort. Hey. Qui va venir en live sur le plateau, casser ce plateau et venir Trunks. Okay. si. Voilà. Putain, non, marqué, non. Hein. C'est bien récupérer la sans console. Allez, voilà. Bah, c'est chose faite. Bah, attends, bouge pas, je t'envoie les cartons par DHL. C'est marrant. On est surveillé, je vous le dis. On croit qu'on est libre, on peut s'amuser, mais que dalle. Hein. Et non. Le câble HDMI, ça se verra pas, vous direz rien. Hop, c'est bon, c'est là. C'est à vendre sur Le Bon Coin, 50 euros en exclusivité. N'hésitez pas, PayPal, frais de livraison, Mondial Relais. Mondial Relais. Bon, c'était super, je suis bien content d'avoir fait ça. Et franchement, on n'a pas joué, mais je vous promets, la manette, l'avoir prise en main, je suis refait. Et ben voilà, grâce au lobby CTCR, je le rappelle, hein, une fois encore. Ah, cette série limitée CTCR avec tous les petits logos, encore une fois, sur le truc blanc, c'est magnifique pour la Terre entière. C'est quand même quelque chose qu'on n'aurait pas pu possible, mais pourtant, CTCR l'a fait. Et ça, on est ravis. En attendant, on est commencé l'émission très en retard, mais on ne pouvait pas faire l'impasse là-dessus. On commence avec les news. Fais péter. Bon les gars, c'est un petit jingle qui dure 4 secondes, hein. Je vous vois, je discute, peinard le chat. Excusez-moi, pardon, déménageur. En plus, pour une news incroyable, on va parler de Nathan Drake dans le film Uncharted, où évidemment... News trop cool. Il a 11 ans et demi. Mais arrête. Non, mais ça fait grave Nathan Drake. T'as bon, d'accord, jamais... Vas-y, Sylvain. Ah, ça m'énerve. Alors, quoi, ça du t'énerve, coup, ça quoi m'énerve. Franchement, Donald. Donald, je sais pourquoi tu dis ça. Je ne veux pas que tu parles. Bah non, mais effectivement, on a vu les premières images du film Uncharted. Ça date de quelques jours avec Tom Holland qui a diffusé une toute première photo de lui-même, donc devenu donc mal alpha alors que c'est censé être centré sur l'adolescence de Nathan Drake. Mais bon, je ne suis pas quelqu'un qui le juge. C'est l'ado alpha.
Rappelons-le en tout cas que c'est un film produit par Sony Pictures qui est en développement depuis déjà bien 10 ans, je dirais, qui a changé autant de réalisateurs, hein, je crois que c'était à peu près un par an, et qui a été repoussé pendant très longtemps et qui désormais est prévu pour le 8 juillet 2021. C'est très bientôt, du coup, finalement. C'est dans moins de 8 mois. C'est quand le reboot avec Andrew Garfield? Non, c'est pour savoir. Quelques années plus tard. D'accord. Mais voilà, on a aussi eu, alors je ne sais pas si Borvo a eu temps de la récupérer, mais la première photo, enfin en tout cas le premier comparo entre Mark Wahlberg et donc son personnage dans le film qui sera Sully, qui est en gros, l'ami, son acolyte, mentor, son mentor, effectivement, merci de tes avions. Et le bon, que dire si ce n'est que la moustache ne va pas du tout à Mark Wahlberg, mais et que dire aussi que je l'ai déjà dit, mais qu'on va rigoler quand vous allez le voir en VF et que Sully va parler avec la voix de Nathan Drake. Ah, bah oui, en VF. C'est vrai, ça, mind blow. Mais ça. Oui, complètement. Bah, ah oui, bah oui, c'est vrai, c'est vrai. Effectivement, ça va être très bizarre. Bon, visiblement, je vous rappelle qu'à l'époque, Naughty Dog s'était un peu désolidarisé de cette adaptation en disant qu'ils n'étaient pas du tout intégrés à la production. A priori, ça a un petit peu changé puisque Naughty Dog a un peu donné son aval en retweetant cette fameuse première photo. Je sais pas ce qu'elle vous, je sais pas, ça vous donne envie de voir la photo. La première photo, ça vous donne envie ou pas? J'attends de voir. D'accord. On peut pas vraiment, sans déconner, avoir un avis sur une taupe, c'est compliqué. Oui, non, mais c'est une photo, on voit Nathan Drake, donc c'est vraiment le héros. Il vous paraît crédible dans ce rôle-là, Tom Holland? Oui. La réponse est oui. Et d'ailleurs, t'as encore le socle. Magnifique, vas-y, dis rien. Je pensais que personne allait capter. Il va pas oser. Ils ne pourront pas l'utiliser. Il va pas oser, t'inquiète pas, on est tranquille. Aïe, 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 aïe. Moi, je suis trop saucé. Tom Holland, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Et je pense, et je l'ai déjà dit dans cet essai, que s'il y a une saga qu'il faut adapter en film, c'est Uncharted, qui est un filon gigantesque pour le film d'aventure à grand spectacle laissé. Ça, par contre, c'est pas possible, hein, les gars. Il fait tellement pimp. C'est un truc de fou. Je vois pas de quoi tu parles. On dirait un acteur d'un certain type de film des années 70. Exactement. Hein. Exactement. Bonjour, madame. Allez, je viens de changer votre plan. Je sais que depuis que Sylvain s'y est mis, la moustache revient à la mode en ce moment, mais franchement, non. Quoi, juste non. Ah ouais. Bref, c'est pas grave. On peut pas tout faire. Mais moi, Mercury. Le film, je suis trop saucé. Bah, on verra. En tout cas, réponse le 8 juillet. A priori, vu que le tournage a repris, on devrait avoir un premier aperçu au printemps prochain. Avec un premier teaser. Rappelons également, puisque son concurrent direct qui est Tomb Raider, le deuxième film lui est prévu pour 2022. C'est vrai, toujours avec Alicia Vikander. On dirait l'agent Patchouli. Bonjour madame, je suis l'agent Patchouli, agent de la paix avant tout. Agent de la paix avant tout, bien sûr. Voilà. Mais bon, Sylvain n'a pas regardé Les Inconnus comme moi. J'aime pas Les Inconnus, je préfère Les Nuls. Ouais. Tu devais être en galère sur Spider-Man pour les refs. Hein, c'est... Je suis team les deux. Bon, en tout cas, on suivra ça, évidemment. C'est début d'année pour un premier teaser Plutôt le printemps, je pense. Ouais. Compte tenu du temps de production, etc., de pré-prod. Je pense à l'annonce de Naughty Dog de proposer la suite d'Uncharted 5. Ça, exactement. Il doit aller vite, il doit aller tourner Spider-Man après. C'est ça, donc franchement, il va être expédié le film, hein, crois-moi. La suite du troisième épisode de la saga Tom Holland Spider-Man est prévue pour décembre 2021. Hein, genre, c'est bientôt, en fait. Donc, il fait vraiment les deux à la fois. Ah, j'ai fait une erreur, c'est évidemment Patulacci. Et non pas Patchouli, évidemment. My bad, hein. Oh, so pareil. Il faut être précis dans les refs, sinon ça marche pas. Bon. On continue avec Ubisoft. Et c'est vrai que c'était assez étrange ce qu'on a pu voir concernant le 4K 60 sur la PS5. Je pense qu'on a vu la même news, mon cher Titan. Ouais, bah là, en fait, c'est juste que Ubi a précisé un peu ce qu'on allait avoir sur PS5 pour alors cette fin d'année chargée, aussi un peu sur ce qui va arriver. Donc, j'ai un listing, il est à peu près comme ça. Accrochez-vous, on est parti. Watch Dogs Legion aura du ray tracing. Ok. Tempest Audio 3D ça, Engine. Cool. L'audio moi, c'est ce que, ouais, voilà, c'est l'audio 3D. Avec le casque compatible, cool, évidemment. C'est ce que j'ai vraiment envie de tester. Des gâchettes adaptatives seront utilisées et vous aurez une mise à jour gratuite de la version PS4 vers la version PS5. Voilà. Assassin's Creed. C'est que des bonnes nouvelles. Ah, oui. Assassin's Creed Valhalla, 4K et 60 FPS. C'est là où. C'est l'un ou l'autre. Bah, et ça ne veut pas forcément dire. Ouais. Voilà, effectivement, il y a une. Il y a une ambiguïté. Il y a une ambiguïté, ouais.
ambiguïté. Voilà, c'est une ambiguïté qu'on va retrouver un peu, vous allez voir. L'audio 3D, encore une fois, la mise à jour gratuite de la version PS4 vers la version PS5. Immortals Fenyx Rising 4K et 60 FPS sur PS5. D'accord. C'est la même chose. Des temps de chargement réduits sur PS5. L'audio 3D, les retours haptiques qui seront utilisés sur les gâchettes. La mise à jour gratuite de PS4 vers PS5. Far Cry 6, on va loin. Hein. Ouais. Ah ouais. Février, c'est ça ou ouais, ouais. Et alors là, c'est écrit 4K en 60 FPS. Donc, c'est là où. On verra. C'est peut-être un mode résolution ou performance, peut-être pour les jeux qu'on a l'habitude d'avoir. Et comme d'habitude, je pense qu'on peut dire à chaque fois chez Ubi, vous aurez la mise à jour gratuite de PS4 vers PS5. C'est une très bonne nouvelle, ça, ouais. Ouais. Riders Republic, 4K et 60 FPS, temps de chargement réduit. Just Dance 2021. On y va. Hein. Festival. La mise à jour gratuite de PS4 vers PS5. Rainbow Six Siege, qui annonce tranquillement du 4K 120 FPS. Ouh. Ah ouais. Bah après, voilà. C'est un jeu de l'ancienne génération, hein, je rappelle. Ouais. Et les trois joueurs de For Honor, dont moi qui reste, seront très contents de savoir que sur PS5, le jeu tournera en 4K et 60 FPS, ce qui va leur changer la vie aux joueurs console, ce qui était limité à 30. Et voilà. Je pense qu'ils vont devoir réapprendre le jeu parce que ça change énormément de choses. Bah voilà. Oui, ça fait des années que je suis à 30, ça va faire bizarre. Comme beaucoup, on va s'habituer. Puis à la fin, on va dire « Oh, comment on faisait pour jouer à 30 ?» C'est évident. Bon, mais en tout cas, pas mal, ça. On voilà, sent ouais. Que ça bouge. Petit résumé de tout ce qui arrive sur PS5 avec chez Ubisoft. Voilà, ah, c'est cool. C'est cool, franchement, on sent que ça bouge beaucoup. Oui, mon ami. J'ajoute aussi, puisqu'on parle d'Ubisoft et que la news est tombée cet après-midi, Ubisoft et Netflix ont annoncé une série Assassin's Creed. Ah bon ? Une série live. Voilà, qui, avec un bras pour l'Animus, pareil. C'est-à-dire qu'ils vont la tourner en direct. On ne sait pas. Alors, c'est produit par les mêmes producteurs. Mais, a priori, ça ne, il n'y aura pas de lien avec les films. Ah, pas avec le film, ouais. C'est parce que il n'y aura pas de lien avec le film, d'accord. Ce sera que, en fait, une vie d'employé de bureau à Abstergo. C'est ça. C'est, en fait, c'est The Office. C'est The Office. Ah mais oui. Ah mais ce serait drôle. C'est vrai que c'est ça, ça s'inscrit en vrai. Ça aurait pu être drôle, hein. Je dis, mais pourquoi pas? Ça devrait être. Tu mets un peu d'humour à la IT Crowd dedans, et puis c'est parti. Hein. Ouais, une série humoristique sur Assassin's Creed, je pense que personne n'a vu venir. Hein. Bah, après, ils ont déjà fait ça avec, sur Apple TV+. Ils ont produit Mythic Quest. Ah oui, Mythic Quest. Ils avaient produit effectivement une série qui tournait en dérision un petit peu son studio montréalais. Avec un de ses gros producteurs et c'était très drôle d'ailleurs. Mais j'avais kiffé de incroyable Borvo qui sort la set d'Assassin's Creed sur Netflix. Il était efficace. Ah mais je m'étais fait chier sur le Mythic Quest pour les termes. Ah oui, parce que t'es en VF dessus. Ouais, je fais un petit rôle dessus, mais par contre j'ai relu tous les scripts pour que nous, quand on joue gamer, qu'il y ait des trucs qui soient bien traduits et qu'on n'entende pas des traductions. C'est toi qui t'es chargé de ça. Ouais. Putain, c'est pour que justement il y ait pas de coquilles. Et on en a relevé, donc du coup c'était bien. C'était, s'il y a des fautes, c'est ma faute. D'accord. Donc voilà, mais c'était un vrai plaisir, c'est vrai que j'ai kiffé faire ce truc-là. On continue, les amis, avec Ken qui va nous parler de Versus Fighting. Et on en parlait quelques émissions auparavant de Rambo. Qu'est-ce qui va nous sortir, Rambo ? Eh bien, il est arrivé, ça y est, le trailer de présentation du perso Sylvester Stallone dans Mortal Kombat 11. Regardez-le. Il va se battre dans sa stance principale au couteau, avec le couteau de Rambo. Qui n'a pas acheté un couteau de Rambo après avoir vu le film, sincèrement, je me souviens de mon daron qui se l'a raconté tellement qu'il avait acheté un couteau pour se raser à l'extérieur avec le couteau de Rambo pour faire le mec. Eh bien oui, bah voilà, on va tous pouvoir faire les mecs aussi et jouer avec Rambo. Il pourra poser des pièges, il pourra ramper, il pourra se camoufler, il pourra patater. Voilà tout ce qu'on attend évidemment d'un perso, encore une fois, remis bien, bien, bien à l'honneur. Ça reste Mortal Kombat 11, du coup il y a quand même toujours quelques animations un tout petit peu rigides du bas du dos, mais à part ça, voilà, le plaisir de pouvoir jouer Rambo, évidemment Schwarzy Terminator versus Sylvester Stallone Rambo, les Expendables à portée de main. Voilà, Rambo est là et disponible, je rappelle, hein, dans la version ultime de Mortal Kombat 11, qui, je le rappelle, hein, sortira aussi sur PlayStation 5 avec du 4K 60 FPS. Et là, pas d'embrouille. Les dates, c'est quoi, tu as dit ? Je sais plus quand est-ce qu'il sort exactement le perso, là, le trailer de sortie. Il sort le jour de la version Ultimate, les trois vont arriver. Voilà, ouais, les
tout en même temps avec la date de sortie de la version ultime. À noter que dans sa version américaine, Rambo est doublé par Monsieur Stallone itself. J'espère que pour la VF, ce sera la VF officielle. Il y a pas de normalement il y a pas de raison. Enfin, ils vont évidemment l'appeler en premier. Hein. Ah mais tu sais, avec Warner, c'est toujours un peu le Warner, enfin, en tout cas avec les jeux Warner, genre notamment sur l'adaptation en Lego de Star Wars, etc. Parfois, tu as les voix officielles françaises, parfois pas du tout. Donc en fait, c'est selon les personnages. C'est vrai que ça, j'ai jamais compris. Ouais, c'est trop bizarre. Et j'espère du coup pour le jeu qu'il y aura la vraie. Je crois que c'est le cas, nous dit Barvo. Et bah écoutez, tant mieux pour les fans. Voilà. Ouais, c'est cool. Je suis pressé d'aller voir les cinématiques sur YouTube. Je ne ferai pas le jeu parce que c'est pas mon style, mais j'adore voir la cinématique de ce jeu. C'est toujours un kiff. Et ouais, ils essayent de faire pour les guests, ils essayent de faire des efforts, au moins dans les versions US sur Mortal Kombat. Je sais que alors, Terminator, c'était quelqu'un qui prenait la voix de Schwarzy, mais Spawn, c'était son doubleur historique. Donc là, et puis là, on a et Terminator, Robocop, je crois aussi que c'était le doubleur. Je savais même pas que Spawn avait un doubleur historique. Ah si, c'est un mec très très connu en plus. Ah ouais. Ouais. Ah bon. Oui, pour le coup, la voix de Spawn est assez emblématique. Et pour Schwarzenegger, sur Mortal Kombat, il y a sa vraie voix ? Non, en VO, non. C'est quelqu'un qui... Pareil, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Ouais, tu vois, c'est... Connaissant l'histoire, c'est pas Warner. Enfin voilà, je pense que c'est dommage, mais c'est pour ça que je m'y attendais qu'il ait pas pu le faire. Et est-ce que sur Spider-Man, Miles Morales, ce sera Donald Reignoux ou pas ? Tu regardes derrière ? Je ne sais pas. Je sais pas de quoi tu parles. On verra, j'espère voir des images bientôt, savoir si je vais pouvoir bosser. c'est ça. Il reste pas beaucoup de temps, on est quoi. Et 19 novembre, c'est bientôt, papa. Ouais, on va se bouger un petit peu là. Trois semaines pour enregistrer tout le jeu, ça va être dur. Hein. Ouais, ça laisse 19 jours de rab. C'est vrai. Voilà, bon, finalement. Les journées sont petites, hein, y a pas de soucis, on va se débrouiller. Bon, c'est pas encore aujourd'hui. Hein. Voilà. Pas aujourd'hui. Justement, on va parler de Marvel et d'Avengers et tu vas nous parler d'un pack pour les membres PS Plus. Alors, à quoi s'attendre ? Eh bien, effectivement, si vous êtes abonné au PlayStation Plus, hein, déjà, vous aurez une bonne nouvelle, je crois que c'est dans les news. Mais surtout, vous allez avoir accès à un pack dédié à Marvel's Avengers qui vous permet en fait de récupérer donc, un skin pour l'un des personnages, l'une des origines du jeu, ainsi que des boosts d'expérience et enfin, une petite bannière pour votre pseudo. Pardon. Alors oui, je sais... C'est pas non plus quelque chose d'incroyable, mais c'est gratuit, donc pourquoi râler ? En tout cas, c'est gratuit si vous êtes abonné au PlayStation Plus. Rappelons que le PS Plus, déjà, bon, c'est plus de 50 millions de personnes qui sont abonnées dans le monde, et puis surtout, ça vous permet de jouer en ligne. Or, dans Marvel's Avengers, c'est un peu obligatoire, parce que faire juste le solo en solo, c'est un peu bof, quoi. Donc, du coup, effectivement, la vie de Marvel's Avengers continue son petit bonhomme de chemin. A priori, on aura droit à Kate Bishop d'ici la fin de l'année, même si à la base, le personnage était prévu pour le mois d'octobre. Les développeurs ont communiqué que c'était un peu compliqué à cause du Covid, mais aussi en raison des nombreux bugs qu'ils devaient corriger, mais que Kate Bishop était bien prévue, ainsi qu'un raid qui vient d'arriver justement en jeu. Shadow Legends, téléchargez-le dès maintenant. Exactement, n'oubliez pas avec vous. Le petit lien parrain. Voilà, le premier raid du jeu qui arrive dans Marvel's Avengers. Voilà, on verra comment est-ce que sa vie va continuer. Ça reste un looters, donc il faudra voir à l'avenir. Est-ce qu'on a enfin les chiffres de vente de ce Marvel Avengers ? Puisque dans le débat, moi j'ai une question qui se base sur les chiffres de vente de Marvel Avengers. Mais je ne peux toujours pas donner les points, étant donné qu'on n'a toujours pas les chiffres de vente du jeu. Alors, on n'a pas de chiffres, mais on a effectivement le fait qu'il est premier des ventes aux États-Unis au mois de septembre et qu'il a été premier des ventes en France pendant 2 semaines. Ah, quand même. Voilà. Et à noter, sur aussi, PS4 notamment. Ils ont aussi annoncé que l'espèce d'extension, on va dire, qui arrivera avec Kate Bishop aura une scénarisation et des cinématiques qui seront du même acabit que ce qu'il y a dans le mode histoire. Tout comme effectivement Spider-Man, qui sera un des personnages exclusifs à la version PlayStation 4 et PlayStation 5, puisqu'effectivement, on a aussi appris que le patch PS5 arriverait en début d'année prochaine, mais que pour autant, le jeu restera évidemment entièrement jouable sur...
pardon, sur buggé. Sur PS5, que si vous avez la version PS4. C'est-à-dire qu'en gros, vous bénéficierez notamment des temps de chargement plus réduits par rapport à la version PS4, mais vous n'aurez pas le patch next-gen, donc avec des améliorations graphiques, d'accord, etc. D'accord. Ah, c'est au cas par cas, ces histoires. Hein, oui. Disons que cette année, vu qu'elle est très particulière, je pense que c'est d'autant plus difficile, surtout quand on connaît un peu le passif du développement qui a été un peu éprouvant pour Crystal Dynamics, qui a dû s'allier à 4 studios de Square Enix, ce qui n'est pas forcément quelque chose qu'ils avaient l'habitude de faire. Ouais, en tout cas, il y a une bonne roadmap, on espère que ça va décoller. Ouais. Moi, je l'ai pas encore testé le jeu, donc j'ai pas d'avis sur le gameplay, mais voilà, ça, quand ce sera bien étoffé, on verra. Puis toujours le Spider-Man qui a annoncé, mais on sait pas quand. Ouais, on verra. Normalement, c'est pour début 2021. C'est bizarre qu'il l'ait pas fait avant, quand même. Pour les fêtes de fin d'année, ça aurait été. Bah non, parce que tu as déjà le test. Oui. Le Miles Morales. Donc au final, c'est peut-être pour éviter. C'est ça que je veux dire. Ouais. Ça arrive tard. Bon. Allez, continuons, on a encore plein de choses à vous dire. Et Tite Avion qui va nous parler d'une collaboration avec Travis Scott et la PS5. Voilà, donc Travis Scott que tout le monde connaît. Bien sûr. Donc c'est un rappeur, chanteur, producteur, musicien, acteur, mannequin et réalisateur. Tout ça ? Et ouais, c'est une bonne bio, hein. Et qui est maintenant très officiellement stratégique creative partner pour Sony sur la PS5. Ah ouais. Pour les États-Unis, ça a été énorme. Donc, alors oui, c'est un gros mouvement. Donc, globalement, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un créateur de contenu premium pour Sony et à la PlayStation 5. Donc, il associe son image à ce rappeur. Je crois qu'il a sorti des disques très souvent. Désolé, ce n'est pas mon style musical habituel. Mais donc, voilà, une collaboration de plus pour Sony qui s'enrichit d'artistes. C'est pas lui qui avait fait une collab avec Fortnite, justement ? Si, il a pas fait un concert, il était en géant, c'était lui. Ouais, hein, ça a décollé en termes d'audience et tout. Bah voilà. Mais là, c'est quoi du coup ? On va s'attendre à des saps, justement, comme on voyait, des trucs comme ça ? Ou c'est plutôt du contenu artistique ? Je sais pas, tu vas voir Travis Scott découvre les vibrations de la manette. Peut-être qu'il signe la bande originale du trailer de lancement, ou tu vois, ce genre de choses. Pourquoi il est connu grâce à sa meuf surtout ? Mais c'est qui sa meuf ? C'est qui sa meuf ? Je sais pas. Toi, Sylvain Trinel, tu ne sais pas ? Je ne savais même pas qui était Travis Scott avant faire ça. Sérieux ? Donc, mais alors ? C'est moi, j'écoute Taylor Swift, hein, pas Travis Scott. Hein. En tout cas, lui, il aura une PS5 Day One. Kylie Jenner, ah oui, c'est de la famille Kardashian, ça. C'est-à-dire qu'il est plus connu qu'Hugo Délire. Ok. oui, en France, ouais, apparemment. Incroyable. Ah oui, c'est vrai que sa meuf est un petit peu connue. Tout à fait, d'accord, ok. Mais très bien. Maintenant, du coup, j'étais très étonné en lisant cette news tout à l'heure. C'est Destruction All-Star reporté, mais gratuit. C'est toi, Ken, qui vas nous en parler. C'est vrai que c'était un mix entre Fortnite, Destruction Derby, mix entre les deux. Je l'attendais, Day One, moi. Oui. S'il faisait partie des jeux Day One de la console, qui faisait partie du line-up de la console, ce Destruction All-Star. Au final, Sony va préférer ne pas le sortir en tant que line-up de la console. Et laisser, on va dire, les stocks de Miles Morales s'écouler. Au-delà de ça, je pense qu'il était prévu déjà à la base, ils ont préféré mettre le jeu directement en février sur le PlayStation Plus afin d'avoir très tôt... Une grosse communauté. Surtout très tôt, un jeu PlayStation 5 sur le PlayStation Plus, parce que vous savez, il ne peut pas forcément y avoir des jeux PlayStation 5 sur le PlayStation Plus tout de suite, puisqu'il faut déjà des jeux. Ce serait formidable, on ne va pas te donner Demon's Souls, tu vois, au mois de décembre sur PlayStation Plus. On serait tous heureux ici, mais je pense que ça ne va quand même pas être possible. En revanche, Destruction All-Star, lui, arrivera bien dans le PlayStation Plus. Voilà, ça reste quand même un jeu, même si on nous dit, oui, c'est un jeu qui a un contenu solo tout de même. C'est un vrai jeu complet. On sent que c'est un jeu pensé pour le multi, un jeu fun, un jeu qui correspond parfaitement à ce que le PlayStation Plus a apporté de plus populaire, que ce soit les Fall Guys, que ce soit les Rocket League, que ce soit Fortnite était en dehors du PlayStation Plus, mais tout de même, tu vois, il y a plein de jeux PlayStation Plus comme ça qui ont été popularisés grâce au PS Plus. Bah là, en tout cas, le jeu arrivera aussi dans cette line-up du PS Plus. Donc voilà, c'est pas un jeu de sortie, mais c'est un jeu PS Plus, alors il sortira en même temps, il va sur le PS Plus et il va sortir après en février, vous pourrez l'acheter en standalone aussi, c'est pas cool. Mais il sera pas sur PS4. J'ai pas l'information. Non, je crois que c'est un jeu PS. Pas c'est du tout l'information, je dois bien t'avouer. En tout cas, il est gratuit au mois de février
et mars. Bon, tu vois que tu n'auras pas tout de suite des jeux PS5. Ouais, hein, deux mois. Sur le PS Plus. Le PS Plus. Je me demande à quoi ressemblera l'offre PS Plus PS4. Bah, je pense qu'il y aura toujours les jeux PS4, parce que les jeux PS4 sont forcément rétrocompatibles. Donc en fait, ils peuvent continuer, un peu comme fait Microsoft, ils peuvent continuer à en distribuer sur PS4. De toute façon, c'est là l'un des intérêts de l'abonnement PS Plus, en plus des sauvegardes sur le cloud, et donc du jeu en ligne, c'est aussi de pouvoir récupérer des jeux gratuits. Si tu proposes des jeux PS4, des grands jeux PS4, à la rigueur, en attendant un jeu PS5, je pense qu'il faut s'attendre à part donc Destruction All-Stars, à mon avis, il faut s'attendre à une disponibilité des premiers jeux PS5. J'irai l'été prochain. Tu ça crois me paraît plutôt plausible, il y aura eu suffisamment de jeux d'ici là. Ouais, je pense que ça. C'est pour ça que c'est plutôt une bonne idée. On sait que c'était un jeu qui voulait compléter l'offre, mais là, finalement, le jeu qui complète bien l'offre des Demon's Souls et Spider-Man, c'est Sackboy, tu vois. Ouais. Et un jeu familial, tu vois, tout public que tu peux offrir à Noël si tu arrives à avoir une PS5 pour Noël, quoi. Comme petit avion. Comme petit avion, exactement. Mais voilà, c'est plus dans l'esprit. Après, on sait bien que PlayStation n'a pas besoin de ça. Je veux dire, ils sortent la console dans la fenêtre de sortie de FIFA 21 et de Call of Duty et de Assassin's Creed. Donc bon, voilà, ta console, tu l'embarques, tu sais aussi à quoi jouer. De base. Mais regardez l'autre. Les... Non mais clairement. Non, mais... Appelle Alvin. Qu'est-ce qu'il a fait? Et moi j'ai bien vu. C'est lamentable. Je pense qu'il y a une rivalité qui naît sur ce plateau entre Titavion et moi, hein, parce que Géant Casino a fait les choses bien. La Fnac un peu moins apparemment pour Titavion. Je pense qu'il m'en veut. Écoute, je suis en train de mettre un partenariat en place avec les magasins Mammouth. Et Lidl. Mais j'aimerais que nous soyons dignes ici. Bien que CTCR soit une émission en partenariat avec PlayStation, j'aimerais pas vous entendre chouiner ni du Bum et Blizz des jeunes. Hein. Restez dignes. Droit. C'est pas obligé de vous voyer. Hein. Je parle pour lui. Hein. Franchement, moi j'aime pas être digne. Toi, t'aimes pas être digne. Ouais, on l'avait vu. Hein. Ben moi, je reste digne. Bon, allez, c'est n'importe quoi. Il fait la gueule. Non, je suis digne. Ouais, bon, d'accord, ok. Bon. C'est toi qui vois. Bon, justement, Sylvain, on va parler maintenant de Godfall. Il y a eu quelques informations qui sont tombées concernant plusieurs choses, la personnalisation et la progression. Qu'est-ce qu'on peut en espérer? Qu'est-ce qui est tombé depuis la dernière fois? Alors, eh bien, vous savez quoi? La semaine dernière, justement, on en parlait de Godfall. Bah oui, et on disait que, justement, on avait très peu d'infos sur l'un des aspects essentiels de Godfall, qui est donc le loot et toute la personnalisation. Et le truc, c'est que forcément, on attendait ça avec impatience et il tardait un petit peu à communiquer là-dessus. C'est désormais chose faite, c'est chez IGN. Voilà, ils se sont dit pourquoi passer directement par un communiqué de presse autant passer par un site populaire. Donc c'est le cas d'IGN effectivement. Le jeu qui est développé par Counterplay Games et qui est édité par Gearbox, hein, les mecs derrière Borderlands. On peut constater que justement a priori, en tout cas, c'est ce qu'ils ont promis malgré l'arrivée d'une première extension et qui est déjà achetable dans le cadre du Season Pass. Eh bien, on pourra se contenter de terminer la campagne. Mais, effectivement, pour ceux qui veulent aller plus loin dans le jeu, comme n'importe quel looters, même un jeu d'action comme celui-ci, eh bien, il y aura la possibilité d'obtenir, comme ils disent, des nouvelles armes, compétences et valeur plates. Donc, c'est les armures... Les grosses qu'on voit, là. Les grosses qu'on le voit, effectivement, juste là. Et une des choses importantes aussi à retenir de Godfall, qui m'intéresse de plus en plus, je dois bien l'admettre... On avait bien compris. Pourquoi pas. Ils veulent que les joueurs puissent se sentir vraiment à l'aise avec leur personnage et puissent personnaliser leur personnage jusqu'au bout, donc dans leur manière d'attaquer, dans les compétences qu'ils vont pouvoir acquérir, etc. Oui. Ça sera quelque chose d'à la fois très souple et aussi très accessible. En plus de ça, on pourra aussi se réattribuer tous ces points à n'importe quel moment du jeu. Il y aura, en tout cas au moment du lancement, 12 véloplates disponibles. Donc c'est les différents... Voilà. Vous aurez au niveau des activités à faire une fois le scénario principal terminé, des missions pour récupérer des éléments permettant justement derrière de débloquer des nouvelles armes et armures. Le système de craft, justement, il fait partie intégrante du jeu, forcément comme dans n'importe quel looters, puisque lorsque vous voudrez améliorer votre armure ou au contraire en crafter une ou bien une arme en particulier, il faudra parfois passer par le crafting et donc farmer les composants
en faisant donc les activités dédiées. En plus de ça, les développeurs promettent plus de 120 armes disponibles au lancement, ainsi que de très nombreux accessoires. Tout cela, évidemment, est amené à évoluer au gré des mises à jour, avec notamment, effectivement, je le disais, la sortie d'une première extension dès le début de l'année prochaine. Rappelons que le jeu sort le 19 novembre en exclusivité sur PlayStation 5 et également sur PC pour les autres plateformes. Ça sera via Epic Game Store, d'ailleurs, me semble-t-il. J'ai hâte de voir vraiment ce que peut donner le jeu. Moi, je trouve que visuellement, même s'il n'a pas l'air d'être extrêmement original, c'est probablement un des meilleurs ambassadeurs visuels de la console avec Demon's Souls. Ouais, si j'allais dire Demon's Souls. Il y a beaucoup de couleurs. Il y a un petit grain God of War d'ailleurs par moment dans Godfall. J'attends de voir. Voilà, j'espère que la surprise sera au rendez-vous. Rendez-vous, le 19. Ça. C'est ça, c'est Day One aussi. Hein. C'est Day One. On le testera dans cet ECR. Oui, tout à fait. Très bien. En parlant d'exclusivité, question rapide. Vas-y, c'est la parole. Excuse-moi. Ils ont annoncé, donc du coup, il y aura bien une campagne. Oui. Ils n'ont pas dit si elle serait jouable en coop ou pas. La campagne. Ah non, ils l'ont pas dit ça. Ok, d'accord. Non. Et ils ont simplement voulu rassurer les gens en leur disant. Déjà, il y a une campagne. Que... C'est bien. Parce que justement, on savait pas. Donc, exactement. Parce que c'est vrai que Je me demandais si ça allait être juste une succession de missions random ou ils avaient pas. Non. A priori, celui qui jouera à la campagne pourra se contenter de ça. Bon, c'est dommage parce que ça reste un looters, mais si vous n'aimez pas les looters, vous pourrez quand même faire la campagne avec. Donc, je pense, ça sera. Pas forcément un immense tutoriel, mais un petit peu quand même pour justement mieux apprendre tous les petits trucs du jeu. Et si ça vous plaît, vous pouvez aller encore plus loin. Voilà, grâce au DLC ou bien au contenu endgame. Comme Monster Hunter, exactement. Exactement pareil. Le parallèle est bien fait. En tout cas, on reste dans les exclusivités de la PlayStation 5. Et là, du coup, c'est PlayStation 4, PlayStation 5. C'est un mode exclusif qui va arriver dans Call of Duty et Cloud War. Toujours lui. Hein? toi, Titavion, moi, je le ferai tout le temps. Je vous le dis. Ouais. Non, mais ici, on a l'information précise. Donc, Cloud War qui va accueillir du coup un mode se nommant Onslaught qui sera du coup une exclusivité temporaire aux consoles de Sony. Donc dans ce tout nouveau mode du jeu zombie, il faut bien le dire, donc voilà, c'est un mode qu'il y a dans le jeu zombie, vous ferez équipe avec l'un de vos potes sur l'une des maps multijoueurs. Et globalement, c'est un mode horde après où il faudra donc survivre à des vagues de plus en plus énervées de monstres méchants. Et du coup, il faudra tenir des zones. Voilà, si vous vous éloignez trop de la zone, vous perdrez en vie. Donc voilà, c'est vraiment des points qu'il faudra défendre. Il faudra défendre. Et voilà, et ce sera du 2 contre l'IA. Exclu total ou exclu temporaire ? Exclu temporaire. D'accord. Console Sony. Voilà, et vous pourrez obtenir, bien sûr, des récompenses, tout ça. T'as tout cassé ? Ouais, Si tu veux, j'envoie un message à Sony pour récupérer un autre socle. J'aime bien, c'est qu'il le cache. J'ai l'impression que c'est comme un enfant qui a fait une connerie. T'as fait une connerie, Ken. Qu'est-ce que t'as fait ? J'ai rien fait. Je ris. Parce que je saurais d'avance ce dont on va parler. Je crois que j'entends Logan hurler. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ça va être drôle, ça. Qu'est-ce qu'il a fait, Ken ? Vous pouvez continuer. Oui, d'accord, bien sûr. Du coup, c'est que ça va être ta news. On continue. On va rester dans les choses qui nous intéressent avec des licences. Voilà, Star Wars Mandalorian que vous avez peut-être vu sur Disney+. Vous le savez, hein, Star Wars Squadrons qui est sorti sur nos consoles il y a quelques semaines, qui est toujours aussi bon en VR. On en a parlé longuement. Et là, maintenant, c'est Mandalorian qui débarque sur Star Wars Squadrons, enfin, le meilleur des deux mondes, finalement. C'est quoi, en fait, le programme ? 30 octobre, l'arrivée de la saison 2 de The Mandalorian sur Disney+. Hein, peut-être le meilleur investissement de l'année pour certains, peut-être le pire pour d'autres. On ne sait jamais. En tout cas, mise à jour cosmétique, comme vous pouvez le voir, gratuite. Hein, cette mise à jour a pour but d'apporter de nouveaux objets cosmétiques au cockpit, dont des hologrammes, des autocollants, des décorations de tableaux. Des voilà, bébés Yoda. Des bébés Yoda, évidemment. Ainsi que des décorations suspendues. Donc en gros, tu pourras un peu jackifier ton intérieur de X-Wing. Ça, c'est cool.
c'est quand même assez sympa. J'attends, j'attends évidemment un tout petit peu le bébé Yoda avec la tête de Yinche là qui fait comme ça. Ah, là, oui, le banta sur la plage arrière du vaisseau qui fait ça. Il y avait le sapin en rétroviseur, maintenant c'est le masque. C'est, on pourrait faire la même chose sur les X-Wing, ce serait énorme. Voilà, un peu comme un conducteur de camion solitaire parcourant les longues routes des Landes. Eh bien, vous allez pouvoir vous balader dans l'espace avec... je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Vous baladez vous aussi. Quoi qu'il arrive, EA à la fois suit évidemment la hype des mises à jour de Star Wars, mais surtout repropose tout ça gratuitement. Voilà, donc toujours pas de mise à jour payante, toujours pas de pay to win, toujours pas de truc. Un jeu propre, parié. Alors, on peut que s'en réjouir. Wow. Tout à fait. Waouh, voilà, c'est comme ça. Et la VR, alors ça donne quoi sur le jeu ? Ah bah franchement toujours aussi bien. Tu kiffes ? Ouais, moi j'aime pas du tout le multi parce que de toute façon de manière globale, c'est pas très multi. Ah bon ? Ouais. Toi monsieur Irès. Ouais, mais vraiment, à part les jeux de caisse, le reste, le multi, je suis pas du tout fan. J'adore le solo. Et je passe d'un jeu solo à l'autre. Moi, les Call of, je fais le mode solo, je passe à la suite. Hein. Je fais toujours multi qu'à Gran Turismo. Quasiment. Quasiment. Et F1 aussi un peu. Mais, F1. Ouais. Mais par exemple, WRC 9, j'y vais pas en multi. Ah ouais ? Ouais. Non, mais j'adore être solo. Bah, on fait partie de cette génération qui a été élevée au jeu solo. Et j'ai pas pris le virage multi, à part sur Counter, ça, début 2000. Mais. Sinon, je préfère me faire mes belles expériences, passer d'un univers à l'autre. Pour ça, j'adore les open world et les jeux narratifs. Là, j'ai terminé Tell Me Why, j'ai bien aimé aussi. Tu vois, j'aime bien. Et après, je passe à la suite. Et le multi, en fait, il y a tellement de jeux, on en parle tout le temps. Il y a tellement de jeux que si tu scotches sur un jeu multi, tu ne peux plus avancer sur les autres. Et c'est pour ça que je m'auto un peu freine les modes multi. Je vois ce que tu veux dire. Je pense qu'on je te comprends. On voit tous de quoi on veut dire. Allez, on termine ces news avec mon cher Sylvain qui va nous parler des soldes d'Halloween sur le PlayStation Store. Exactement, le PlayStation Store qui s'offre un nouveau store sur le web, effectivement, qui ne permet plus, sadly... Ah, c'est fou ce hasard. Ah, Days Gone, incroyable. Non, voilà, qui s'offre un petit remaster, on va dire, sur le web, qui ne permet plus effectivement d'acheter autre chose que des jeux PS4 et donc PS5 bientôt. Comme on peut le voir, c'est un petit peu plus gros, donc c'est parfait pour les promos. On a effectivement tout dessiné à 32 balles. Vous avez aussi Days Gone à 29,59€, sachant que vous avez, là, c'est la version digitale Deluxe Edition, parce que la version simple de Days Gone est à 20€. On n'a jamais vu moins cher, donc allez-y, c'est un excellent jeu. Vous avez aussi 3 semaines. Hein. Ah oui, c'est vrai que dans le PS Plus, tout à fait. Vous avez aussi Dead by Daylight. Oui, mais seulement c'était à la PS5. Dead by Daylight qui revient un petit peu d'ailleurs sur Twitch en ce moment et qui est assez populaire. Bah, justement, il est à 13,99€ avec les petits packs de monstres. Quoi, Stranger Things, c'est pas un Telltale ? Non, c'est le DLC de Dead by Daylight. Ah, ok. Également celui d'Halloween, Ghostface, tout ça. Évidemment, c'est Halloween puisque Halloween continue. On a également le chouette Shadow of the Tomb Raider. Dans sa Definitive Edition qui est à 15€. Voilà, on a le méchant de Saw en Dead by Daylight aussi à 3,99€. Death Stranding, voilà, qui est aussi en promotion ainsi que For Honor, ça fera plaisir à Titavion, à -57 et -67%. 30€ pour la version simple de Death Stranding. Voilà, allez-y, c'est du tout bon. Ce que j'aurais voulu voir, c'est te voir devant ton bureau à scroller tout doucement en capturant l'écran. Alors, c'est très probablement Borvo qui est en train de le faire, en fait. Oh là depuis tout à l'heure, il était là. C'est vrai. Tout tranquille alors à scroller comme ça, c'est une masterisation de la. Ouais, non, mais je te jure, on m'avait parlé de Borvo au journal. Ah ouais, moi, j'étais là, mais non, bon. Ça scrolle bien. Hein. Ça va, c'est pas non plus trop difficile de rassembler des assets. Et en fait. Et on voit toute quand la masterisation. Même, hein. Ah non, mais là, il y a des professionnels, hein. Mais j'ai un problème avec cette nouvelle version du PS. Ah là 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 là. C'est-à-dire que qu'on ne puisse plus acheter, bon ok d'accord, mais on ne peut plus consulter les prix. Comment c'est-à-dire que si tu veux voir le prix d'un jeu que tu aurais peut-être envie d'acheter pour ta PS3, tu as une envie de rétro ou donc comme ça, tu es obligé de brancher ta console, d'aller sur le PSN et d'aller voir le prix. Effectivement sur PS3 et PS Vita. Il faut absolument passer par la console même pour consulter le prix, juste consulter le prix. Mais franchement, je peux comprendre, mais pour moi, si tu veux aller sur du rétro, enfin, tu vas au bout de la démarche, tu prends la boîte, quoi. Enfin,
Oui, mais regarde je te prends mon exemple. Moi, j'avais très envie de rejouer à Code Veronica sur la version PSN, qui est que du démat. Bah, tu vois, j'ai cherché, j'ai fait ah bah non, faut brancher la console, aller sur le PSN pour voir le prix. Tu vois, j'ai pas pu aller consulter, donc j'ai dû ressortir. C'est pas fini le PSN, PS3, c'est pas bientôt fini, non? Non, c'est juste. Non, c'est juste que tu ne peux plus acheter les jeux par l'interface web. C'est que PS4, PS5 maintenant. D'accord. Et c'est la Vita, non? C'était pas la news Vita, comme quoi le store Vita. Non, le store Vita est toujours là. D'accord, ok. C'est le store PSP. Ah, peut-être le store PSP. Semble. Il y avait un des stores qui était sur le point de fermer. Mais voilà, c'était mon. Non, mais je comprends. C'était mon billet d'humeur de la semaine. C'est couplé effectivement à une mise à jour de l'interface du store, ainsi que sur mobile d'ailleurs. C'est dispo depuis quelques jours. Ouais. Je rappelle également que sur PlayStation 5, le store sera directement intégré à l'OS et ne sera pas en fait une espèce de page web qu'on lance reskinée un peu. Alors, ouais. Attention, c'est précision. Ça. En gros, c'est une application tierce. On n'a pas encore pu fouiller la pas totalité encore. Moi, je vous parle de ce qui a été présenté par Sony il y a quelques jours. Il y a des raccourcis, vers le PSN, est vrai. Ça n'est pas, pas une page web. C'est directement intégré à la console, donc ça permettra une grosse fluidité. Je serais quand même étonné qu'il n'y ait pas une page PSN pour aller farfouiller à l'intérieur du PSN, parce que tout de même. Ah non, mais tu as un onglet. Oui. En fait, c'est comme un jeu. Maintenant, ça se présente comme un jeu. Tu n'ouvres pas une autre application, si vous préférez. D'accord. Elle est directement intégrée à l'OS, donc ça permet plus de fluidité puisqu'elle est directement intégrée à la console. Parce que, si vous préférez, le PS Store de la PS4, et même précédemment, c'était une fausse page web qu'on ouvrait, en fait, et qui, du coup, nécessitait une ressource supplémentaire. Et c'est ce qui expliquait sans doute le fait que ça ramait. Sur PS5, c'est directement intégré à l'OS, qui affiche tout de même, effectivement, du contenu web. Mais vu que c'est directement intégré à l'interface de la console, c'est beaucoup plus fluide à l'utilisation. Et ça ne vous empêche pas de continuer à jouer pour aller sur le PS Store. J'ai hâte de voir comment ça a fonctionné avec les fonctions recherche et tout ça. Ouais. J'ai hâte de voir. Parce que là, ça fait quelques générations qu'on se balade, on va sur le PlayStation Store pour aller chercher... les trucs, donc franchement, si c'est bien intégré, ça peut être cool. Toujours un peu plus de gain de temps. Tout à fait. Eh bien, en tout cas, là, c'est vraiment, on arrive au bout, on en a parlé dans tous les sens. Le conditionnel, je pense qu'on n'aura pas pu l'utiliser plus sur toutes ces émissions, toutes ces semaines. On est dans le vif du sujet, on a eu enfin la PlayStation 5 en plateau, c'était tout à l'heure, en début. On va pouvoir vérifier tout ça pour de bon ensemble. Et il me tarde de pouvoir mettre les mains de DualSense avec les jeux qui vont avec. Et ça, c'est cool. On passe maintenant au trailer de la semaine. On en débrief juste après, on en a parlé tout à l'heure pendant les news. C'est Call of Duty, Black Ops, Cold War, toujours lui. On se voit juste après. Cette menace est réelle. Oui, monsieur, nous le pensons. Quelque chose de gros se prépare. Quelque chose qui touchera le monde libre. Il va raser la moitié de l'Europe. Il est temps de jeter un œil derrière le rideau de fer. J'espère que vous avez une armée. On a ce qu'il faut. Il est temps de se salir les mains. Cette guerre était une mascarade. Y a pas de vérité. Tu choisis de croire qui tu veux. Je sais que vous n'échouerez pas. Jouez au mode Carnage Zombie en premier sur PlayStation. Bon, bah, on est presque au bout là. 13 novembre pour la version PS4, 19 novembre pour la version PS5. On l'a vu tout à l'heure, le mode Unslaught, je le dis sûrement mal. Et bon, pour le coup, là, je fais pas exprès de le dire. Hein. Ouais, mais ouais, c'est comme d'habitude, le petit opus de l'année qui fait plaisir. Santé pote. Il en est quoi? Bah, on revient à la même discussion. Le solo, vous en avez entendu parler? Il est bien? Il est... Bah, on peut pas te le dire parce qu'on est vraiment sous embargo, tu vois. Mais pas du tout. Non, franchement, ça a l'air de déchirer.
de ce que je vois du trailer. Moi, tout ce que j'avais retenu dans le solo, c'est que les voitures télécommandées vont vite. Ouais, elles vont vite. Ah, toujours, on est toujours là. Vite, ouais. Très vite. Non, mais après, bon, c'est du Call of, mais en vrai, c'est très arc. Donc, globalement, je pense qu'il y aura un peu une critique de la de l'action américaine, etc., puisque ça se déroule durant la guerre froide, comme son nom l'indique, et non pas dans la guerre de Claude. Ça n'a rien à voir. Claude Lanta n'a rien à voir là-dedans. Je vous le dis. Hein, c'est... Il n'est pas guest, quoique on ne sait jamais. T'imagines, il fait une spéciale Cold War, il peut venir Claude de Claude. C'est ça. Juste pour la connerie, ce serait bien. Et bien, il Squeezie en voix française de Ratchet. Hein, donc, après tout, tout est possible hein, en VF. Mais bon, tout ça pour dire que là, il y a Ronald Reagan qui incarne le président des États-Unis, prêt à en découdre avec le rideau de fer. En vrai, Treyarch a toujours fait du bon boulot sur la saga Black Ops. Donc, il n'y a pas de raison que ce soit mauvais. J'ai envie de dire. Bah ouais. Voilà, je vois ta façon de raisonner. Elle est juste. Eh oui. Puis après, bon, bah, pour ceux qui n'aiment pas Call of pour son multi, bah, ils pourront toujours effectivement faire le solo. Bien sûr. Les solos de Call of sont toujours quand même marrants à faire. Et puis, il y a le mode zombie aussi. Oui, il y a aussi effectivement le mode zombie. Ouais. Et un mode multi, et un vrai mode multi pour le coup, qui n'est pas Warzone. Ouais. Pour ceux qui sont amateurs de ce genre de trucs. C'est vrai que c'est étonnant à développer des Warzone après, de continuer, c'est normal, hein, des modes multi dans les sorties de chaque année. C'est vraiment deux entités à part. Je me demande à terme comment ils vont réussir à faire coexister ces licences. Vous l'avez fumé, Warzone ? Vous êtes des utilisateurs de... J'ai pas assez de place dans ma console. Oui, non, mais c'est vrai. Ouais, non, je suis pas un joueur de Battle Royale. Warzone, moi, je l'ai testé, j'ai trouvé ça marrant. Mais voilà. Sans... Moi j'ai bien aimé aussi, mais voilà, quelques soirées, on en revient tout à l'heure. Oui, hein, c'est ça, j'ai fait quelques soirées. Je vais passer mon temps là-dessus, mais j'ai bien kiffé. Je crois que je venais de sortir d'un de l'enregistrement de la VF de Spider-Man Miles Morales, sans doute. Toujours pas cette fois. Et je sortais d'un enregistrement d'un. Non, putain, il me fait bafouiller. Je sortais d'un Call of Duty et du coup, j'avais les bons réflexes, je jouais bien pour une fois. Et j'ai bien aimé Warzone, mais je sens que c'est un gouffre à temps. Les mecs, ils rigolent jusqu'à temps que je. Ah, je vais réussir. Hein. Moi, j'ai des potes qui jouent qu'à ça. Mais ça m'étonne pas, c'est très bien. Hein. Warzone. C'est très très bien. Hein. Ça m'étonne pas. Leur PlayStation, leur CFK, ça. C'est un peu comme le Counter de début 2000, quoi. C'est, ouais. Et ils kiffent. Hein. Bah oui. Très très bien. Non, mais franchement, ça marche plutôt bien. Et chacun a trouvé sa sauce, les Call of, moi, le solo. Je vais mon petit film d'action en mode popcorn. Enfin là, on sait ce qu'on va avoir. On va avoir un couloir, ça va exploser de partout. On va se faire chier à le finir en vétéran et kiffer. Moi, c'est mon kiff. Et je sais que voilà, je vais tester le mode multi pour avoir mes 3 trophées de débutant multi. Et puis après, je vais kiffer ça. Mais c'est bien, c'est que chacun a sa sauce là-dessus. On va parler maintenant, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter, les amis. Non. Je pense. Bah écoute, pas vraiment. C'est Call of Duty. Il arrive. C'est Call of Duty. Il arrive. Je pense que c'est bien résumé là-dessus. C'est la petite sortie de l'année qu'on ne manque pas. Oui, c'est toujours au mois de novembre. J'allais dire mois d'octobre, mais non. C'est un peu plus tard. On passe maintenant la preview. C'est le dossier de la semaine. C'est Immortals Fenyx Rising. Ils sont plusieurs sur le plateau à l'avoir testé. Ah, la On chance. Va revenir un petit peu avec eux. Les points forts, les faiblesses. On en parle tout de suite dans le dossier. Dans un monde où les dieux ont perdu leur pouvoir. Comment ? Tu te fiches de moi, Prométhée ? Zeus, c'est moi qui raconte l'histoire. Tu ne peux pas commencer la vidéo comme ça. Ne m'interromps pas, s'il te plaît. Typhon, le plus redoutable des titans, s'est libéré. Pour l'empêcher de faire sombrer le monde dans le chaos, nous devons faire confiance à une mortelle. Une mortelle ? Oh. Une mortelle qui s'est échouée sur une terre mystérieuse. Sans aucune conscience de la destinée qui l'attend. Bonne chance à elle ! Un griffon ? Lâche-moi ! À l'aide ! Je vais te sauver ! Oh, regarde! Elle a sauvé les pierres-mèches! Chut! Il va nous révéler l'histoire du jeu! Il
faut rendre aux dieux vaincus leur essence afin qu'ils recouvrent leur pouvoir. Ensuite, ensemble, vous devrez vaincre Typhon. Nous n'avons plus que toi, Phoenix, mais aucune pression. Merci, si j'ose dire. Et c'est ainsi, mon cher cousin, que commence l'épopée de Phoenix. Oh, potable comme récit, mais qui manque cruellement de combats épiques. Ah, maintenant on peut discuter. Montre-toi. Mais elle gagne à la fin ou pas? Ça, Zeus, tu devras le découvrir par toi-même. Allez, Prométhée, on a encore 2500 ans avant que les jeux vidéo ne soient inventés. Lionel Dacier, avec la voix de... Avec la voix de... Ouais, le 3 décembre, Immortals, Phoenix Rising, j'ai déjà oublié l'ancien nom. C'était Golden Monster. Ah voilà, vous êtes vraiment avec ma mémoire en streaming, décidément. J'ai un jour, j'y arriverai. Ça va le faire. Bon, du coup, vous en pensez quoi, ça, par rapport à la démo, la preview que vous avez fait, ça en est où de votre feeling? Alors moi j'ai été invité par Ubi à y jouer à distance. Ah oui. Pendant 4 heures, c'était cool. Voilà, tu peux passer au dossier suivant. En fait, je les envie un peu d'y avoir joué parce que, avec toutes les images que je vois, je n'ai aucune idée que c'est. Je vais Ah oui, c'est vachement à faire. Hein, dans son... Non, n'éternue pas dans tes mains. Ah. Il a son masque, il peut faire ce qu'il veut. Bah non, justement. Bacayalo. Pardonnez-moi. J'ai du mal à savoir quel est le but du jeu, quel est le feeling et quelle est la portée un peu épique du jeu, tu vois. En fait, j'ai mal à me rendre compte le jeu, ce que c'est, les combats, ce que c'est, le but, c'est quoi. Enfin, de ce que je vois du trailer, c'est juste voilà, des dieux et des demi-dieux qui se marrent et qui regardent les humains taper des monstres. Allez, penchez-vous en avant, monsieur. Globalement, on peut le dire. Donc, c'est fait par le même studio qui a fait Assassin's Creed Odyssey. À Montréal, non ? Ubi, ouais, c'est Montréal, je crois que c'est ça. Ça se ressent énormément. Le gameplay, vous n'allez pas être dépaysé, c'est à peu près la même chose. C'est un Assassin's Creed light. Voilà, globalement. C'est beaucoup plus coloré, ça fait du bien aussi, ça. C'est un peu plus simple dans sa narration. Ça se veut rempli d'humour, ça marche ou pas. Il y a des moments où ça marche très bien, il y en a d'autres moins bien, on en parlera un peu plus tard. Ouais. Mais voilà, globalement, si vous êtes habitué à Assassin's Creed, vous n'allez pas être dépaysé. Si Assassin's Creed Odyssey peut vous faire peur par son côté immense, c'est une bonne porte d'entrée pour le style. C'est grand ? C'est grand, mais moins qu'Odyssey. Clairement, même au niveau de la map, ça se voit, ça se ressent. Je pense qu'ils ont compris, côté Ubi, que Odyssey était un poil trop long. Et ils ont dit avec Valhalla que ce serait un peu plus condensé, et là ça a l'air pareil. Mais voilà, on est sur un récit qui est beaucoup plus mythologique. Hein, là on part full, ils en avaient parlé, on parle vraiment, mais total fantasy avec voilà, des histoires de dieux, des armes légendaires, tu vois, tous les monstres. C'est les gorgones. Dès que tu tues un monstre, il s'envole façon Astérix. Et justement, je me tends une perche à moi-même. Tout le ton du jeu, en termes d'humour, en termes de narration, de tout ce qui se passe, t'as vraiment l'impression d'être dans un album d'Astérix, en fait. C'est plutôt bien ou pas bien, finalement ? Moi, ça m'a pas gêné. Moi, j'ai plutôt bien aimé que, justement, enfin, ça change un peu de ton. Ouais. Tu vois, c'est un peu plus léger. Et c'est comme ça que je vais consommer le jeu, c'est-à-dire que c'est un peu plus léger que ce qu'on voit avec Assassin's Creed. Le monde, voilà. Alors moi j'ai pu voir l'intro, la zone d'intro, qui est une île, on va dire ambiance automnale, assez jaune, et la première grande île, qui est l'île de Athéna, je crois, si je dis pas de bêtises, très la verdure, très verte. Réglez bien votre écran. Il y a des changements de région un peu quand même. Ah oui, c'est vraiment, c'est genre tu passes un pont, t'as de la neige, hop, c'est d'accord. Le printemps. C'est... Bon, moi, c'est ce que dans Genshin Impact, c'est ce que je ressens pas du tout. Quel que soit l'endroit où je vais, je vois de la verdure avec les mêmes cailloux. Ouais, là vraiment pour le coup, déjà dans les deux petites îles que j'ai pu faire, ça change vraiment du tout au tout. Il y a du craft.
Il y a totalement du craft. C'est du craft très basique. C'est du craft très léger. Ouais, c'est-à-dire que vous ramassez des pommes rouges, ça va vous servir, genre il en faut deux pour faire une potion rouge qui redonne de la vie. Moi, ça me suffit, ça. Ça va pas plus loin que ça. Voilà, il y a une potion. Ah, c'est de l'attaque, la potion est jaune, tu chopes deux fleurs jaunes, tu fais une potion. Voilà. Ouais. Donc il y a un hub, justement, sur le monde. Donc là, on l'a vu, c'est une grande tour centrale où vous allez avoir justement le craft pour les potions, le craft pour améliorer vos armes. C'est ce que vous allez récupérer. Il y a 4-5 monnaies différentes qu'on récupère en faisant des events sur la carte ou des petites énigmes ou les quêtes principales. Ouais. Tu récupères ça, ça te servira à upgrader. Parce qu'en fait, tu récupères une épée que tu vas upgrader, que tu gardes jusqu'à la fin du jeu. T'as pas 50 milliards d'euros. Et globalement, tu vas équiper une skin. Tu vas équiper une skin sur l'objet qui va changer une stat. D'accord. Tu vois, au lieu de faire 30% de dégâts en plus. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça y est, tu l'as vu enfin. Excusez-moi. T'as pas eu de chance, tu t'avais durant toute ta chronique, le chat ne spammait qu'un seul chose. Bah, désolé, je n'ai pas accès au chat en fait. Une très mauvaise nouvelle. Cyberpunk est repoussé ? Eh oui, Cyberpunk est reporté. À quand du coup ? Parce que 10 décembre. Au 10 décembre, encore. 10 décembre. Merci, voilà. Mais c'est sûr et certain, excusez-moi. J'attends le patch. Bon, bah voilà, du coup, Immortal Phoenix Rising. Il est tout seul. Si ça le 10 novembre. Je viens d'entendre hurler. Incroyable, attends. Effectivement, bon. Ok, la nouvelle release date est décembre. Il était pas gold, Cyberpunk ? Il est gold. Si ! Mais si, il est gold. C'est pas la première fois qu'un jeu gold est décalé. C'est ça, c'est leur priorité, c'est de donner la même expérience. Oui, est-ce qu'on peut revoir le message, mon cher Barbeau ? Sur les générations actuelles, la prochaine génération voilà. PC au même moment. C'est ça. Ça veut dire que peut-être le patch pourrait avancer. Le patch arrivera donc le 10 décembre en même temps que le reste. Et ça, c'est pas une putain de mauvaise nouvelle. Hein. Ils avancent c'est peut-être la bonne nouvelle finalement. Ils avancent le patch, mais repoussent la sortie du jeu. Tout ça est très hypocrite, je vais vous dire pourquoi. Parce que tu n'offres pas la même expérience entre le PC, les générations actuelles et la nouvelle génération. Sortant le jeu en même temps. Quand t'as une PS4, t'as évidemment pas la même expérience que sur la PS5, tu vois. Enfin. Bon, après, j'ai envie de dire, ça fait un an qu'il est repoussé, on est plus à un mois près. C'est ça. Là, bon, pardon. 10 décembre, non, c'est même pas, c'est 2 semaines. Du coup, oui, 2 semaines, ça va. Oui, ça va. Bon. Ils nous ont fait pire. Allez. Reparlons de Immortals Phoenix Rising. Oui, pour le coup, lui, il a effectivement déjà été repoussé. Hein, il a un point commun avec Cyberpunk. Moi, de ce que j'ai testé de la démo, parce que j'ai testé la démo sur Stadia... C'est encore actuel ? On peut encore tester Oui, jusqu'à la fin de semaine. Il suffit d'avoir un compte Google. Voilà, en fait. Vous avez un compte Google, vous pouvez... Alors, n'hésitez pas à désactiver le paiement automatique parce que vous avez des jours d'essai gratuits. Je crois que c'est 30 jours, mais semble-t-il. Mais bon, en tout cas, vous avez accès à cette démo. Et je dois admettre que, bon, en fait... J'ai eu Aubin est venu nous parler du jeu dans le journal et c'est vrai qu'en fait j'ai retrouvé exactement ce qu'il disait. Et c'est vrai que il y a toujours cette impression d'avoir un Assassin's Creed pour enfants entre les mains et c'est à la fois quelque chose de perturbant quand tu es un fan d'Assassin's Creed et en même temps quelque chose d'excellent pour le catalogue d'Ubisoft parce que c'est vrai que quand tu regardes le catalogue d'Ubisoft, si ce n'est donc les Lapins Crétins qui sont pour le coup pour les très jeunes joueurs et donc Just Dance qui est très grand public, ils n'ont rien en termes de jeu d'action qui est accessible à des gamins qui ont, je sais pas, 10, 14 ans. Bien sûr. Et c'est là où justement pour moi Immortals Phoenix Rising a une carte à jouer. Parce qu'il simplifie sans pour autant prendre les joueurs pour des débiles au maximum certaines des fonctionnalités propres à ce genre de jeu à ces action RPG light avec donc un système de crafting comme le disait Titavion réduit au minimum mais néanmoins présent. En fait ça me rappelle, c'est assez bizarre de dire ça, mais ça me rappelle énormément dans le feeling du jeu, non pas Assassin's Creed Odyssey, parce que oui, ça, oui, tu retrouves beaucoup d'animations d'Assassin's Creed Odyssey dedans, c'est la même équipe, c'est normal, mais en même temps, j'ai eu l'impression d'avoir Kingdom of Amalur par moment. Je sais pas si t'as fait un peu le même effet, notamment aussi dans la simplicité de certains trucs. Les quêtes aussi sont assez simples. Vous avez des énigmes, donc là c'est très repris effectivement de certains jeux concurrents que tu n'avais pas forcément dans les Assassins. Donc et en fait, alors après la démo, tout comme ce à quoi a joué Titavion, ne montre pas l'intégralité du jeu. Il manque des hubs que l'on n'a pas encore vus.
parce que effectivement, aux côtés d'une zone très volcanique de la zone verdoyante et un peu printanière de la démo, il reste encore plusieurs hubs que l'on n'a pas encore vus et qui a priori changent quand même considérablement l'univers du jeu. Là où Odyssey était peut-être, enfin, ils arrivaient à se renouveler, mais pas autant que semble se renouveler Immortal Phoenix Rising. On verra Valhalla, ça va être aussi autre chose, mais beaucoup plus réaliste. Donc ça peut être un excellent point d'entrée, et ça peut être un super jeu à offrir justement à Noël, si bah, vous ne voulez pas lui offrir Assassin's Creed Valhalla, qui pour le coup est beaucoup plus violent. Bah, c'est ça, en fait, c'est une bonne porte d'entrée pour les open world et aujourd'hui pour les enfants. Exactement. À part le concurrent direct sur la Switch, il n'y a pas grand-chose. Bah, c'est ça, le, justement, sur Breath of the Wild, on peut reprocher à Breath of the Wild le fait qu'il ne dirige pas du tout le joueur. Donc pour un jeune joueur qui n'a jamais joué à ce genre de jeu, ça peut être un peu difficile. Ah, ça laisse libre. Et d'ailleurs, le directeur créatif du jeu, il en avait parlé en interview que quand ils avaient préparé Odyssey, ils avaient juste effleuré le sujet des divinités, qu'ils n'avaient pas pu l'explorer. Pour le coup, je me rappelle plus. C'est vraiment cette impulsion qui leur a donné l'idée de faire Phoenix Rising. C'est justement d'explorer ce côté divinité, mais de switcher du côté, sans mauvais jeu de mots, du côté pour enfants dans un open world tout en gardant le côté divinité, c'était pas évident à juger. Oui, après enfant, c'est pas non plus. C'est plutôt mais tout public. Ouais, voilà. Et moi, Odyssée, je le donne pas aux enfants. Oui, voilà. Alors que celui-là, tu vois, tu vas récupérer un trésor, puis t'as le trésor qui est éjecté de la face, le prend dans la tête. Tu vois, c'est des petites animes comme ça. À noter aussi que le personnage est entièrement customisable au début du jeu. Donc voilà, vous pouvez faire. Vous pouvez être un homme ou une femme, hein, d'ailleurs. Ou un alien aussi. Hein, vous pouvez avoir la peau bleue, la peau verte. Ah bon, vous faites ce que vous voulez. Oui. C'est voilà, tu fais ce que tu veux. Tu peux même faire une femme à barbe si tu veux aussi. Tu vois, c'est Ubisoft, c'est 2020, c'est merveilleux. En termes de gameplay, donc vous avez gameplay et équipement. Vous allez voir aussi que c'est beaucoup moins la foire au loot que l'était, par exemple, Odyssey. Hein, j'ai beaucoup le comparé à ça. Donc, les mobs ne sont plus des piñatas. C'est génial. Donc, là, vous avez globalement un slot avec l'épée, avec le marteau. Il y a une lance, mais qui, je pense, ne sert qu'à faire certains pouvoirs magiques. Il y a un arc. Il y a armure et casque. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on retrouve, justement, parce que tu parles de la foire au loot, et moi, j'ai pas du tout joué comme ça Odyssey, c'est-à-dire qu'Odyssey, à partir du level 30, j'ai trouvé l'épée qui me correspondait, j'ai fait que l'upgrader de 5 niveaux en 5 niveaux, le reste ne m'allait pas, et là, du coup, foire loot, en fait, non. Comme j'ai dit, t'upgrade l'arme de base, d'accord, qui va augmenter ses dégâts, et tu vas pouvoir lui mettre une skin qui, d'accord, va lui mettre un attribut. Okay. Voilà. Et en fait, tu vas looter, tu vas récupérer dans les coffres des skins qui vont changer vraiment l'allure physique et lui donner une stat en plus. Parce que ça, je trouvais ça mal fait sur Odyssey. Pareil, il n'y a pas mieux que ce que tu avais à un moment donné qui était bien et le reste était forcément mieux. Pareil, avec des petites énigmes, tu vas trouver des équipements. D'accord. Moi, j'avais trouvé la tête du lion de Némé, j'avais trouvé le casque de Méduse. Et voilà, c'était avec des petites énigmes. Ça restait assez simple, il m'a pas fallu longtemps pour les comprendre. Après, j'ai pu aussi tester le endgame, où là j'ai eu un perso largement plus boosté, et on m'a emmené voir des boss de endgame. C'est grand ? C'est pas God of War non plus ? C'est pas God of War, c'est pas du Dark Souls. Le gameplay, c'est à la parade qui fait extrêmement mal, et après blablabla. Est-ce qu'ils sont gigantesques, les dieux ? Alors, c'est pas les dieux, justement, que tu combats, parce que... Je ne vais pas trop en dire dans l'histoire, mais non. Globalement, c'est des entités, c'est genre la reine des harpies, tu vois, qui a sa propre skin, c'est important à dire, et qui va looter, en fait, si tu arrives à battre le boss, qui a des patterns, différentes phases. C'était assez cool comme combat. J'avais peut-être un perso un peu trop fort, je l'ai un peu détruit. Mais tu vas looter une skin, c'est un peu plus rare que les autres, alors tu peux avoir, j'avais récupéré des skins d'elle un peu démoniaques, tu peux looter ils ont des bonus ces skins ou c'est juste là c'était juste visuel celle-là, pareil. Elle n'était pas dans la démo, moi, que j'ai pu tester ce compagnon, mais j'ai pu looter 2-3 skins sur justement le endgame. C'est plaisant quand même en global dans le. Ouais, c'était plaisant. Après, moi, je suis très client de ce genre de jeu et c'est vrai que les Assassin's Creed, que ce soit
Bah, depuis le 1, je les ai tous faits, je suis même en train de les refaire en ce moment. Donc je suis très client, donc ça marche avec moi cette formule. Là, moi, je le voyais plus comme, tu vois, le petit jeu de la détente tranquille. Et oui, ça, enfin, chez moi, ça a fonctionné et du coup, ouais, je trouvais ça plutôt cool. Est-ce qu'ils ont communiqué autour de la durée de vie par ligne droite et pas loin? Je pense pas, non. Ça me dit rien. Si la map est plus courte, on peut s'attendre à quoi, du 20h en ligne droite? Bon, après, si c'est ça le reste, coup, Spider-Man faisait une vingtaine d'heures de jeu. Donc, ouais. C'est pas, enfin, c'est effectivement beaucoup de gens s'attendent à ce qu'un monde ouvert soit très long, alors que bah non, pas systématiquement. Le, je veux dire, si tu fais Assassin's Creed en ligne droite, tu le finis en 30 heures. Hein. Mais je suis curieux de voir la recette 2020-2021 de Valhalla et de Phoenix Rising sur les sous-quêtes et l'intérêt de la quête principale. Franchement, je sais pas s'il faut s'attendre. Enfin, moi, ce que du coup j'ai terminé la démo et moi ce que je me dis par rapport à cette démo, il faut pas clairement pas s'attendre à un hit ou en tout cas à un jeu de la trempe de Valhalla. Valhalla est pour le coup beaucoup plus ambitieux, là où Phoenix Rising, déjà, il devait sortir en mars, durant l'année fiscale précédente. Donc c'est un jeu qui a été un peu remanié, etc. Mais malgré tout, ça sera sans doute un jeu fort sympathique lorsqu'il sortira tout début décembre. Mais il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'aussi évolué qu'un Assassin's Creed. Tu vois, ouais. C'est un peu le syndrome Assassin's Creed 1, tu vois. Peut-être qu'une suite pourrait être meilleure, mais en même temps, vu que ça s'adresse à un public plus jeune, moins habitué au genre. Pourquoi vous dites ça s'adresse à un public plus jeune? Je comprends pas cet argument tout claqué du parce cul, que, moi. Non, mais parce que l'argument, c'est pas pour me moquer des jeunes joueurs. Simplement, au niveau du crafting, au niveau du gameplay, tout ça, au niveau de... C'est pas violent, tu as pas décapité. T'as moins de violence, c'est plus accessible. Oui, c'est beaucoup plus accessible. Oui, mais regarde, moi... Difficile. Oui, mais tu mets le lit au milieu et tu les vends. Tu peux coucher avec la graisse entière, si tu as envie. Tu vois, par exemple. C'est plus mature dans les thèmes. C'est pas plus accessible. C'est pas, là, si, en termes de craft. Le système de craft, il est très simple, là où celui d'Assassin est peut-être un peu plus complexe. D'une manière générale, en termes de gameplay aussi, c'est quelque chose de très simple aussi. Dans Assassin's Creed, si tu veux vraiment masteriser l'ensemble des abilities de ton assassin, il faut quand même s'embêter à lire, les tester, etc. Ah, c'est viteuf, franchement. C'est viteuf, mais... Un mec qui l'a terminé à 100%, il utilisait tout le temps la même attaque. Mais arrêtez, s'il vous plaît, de croire que vous êtes la majorité. Je rappelle que la majorité des gens achètent FIFA et n'achètent absolument pas les assassins tous les ans. Le truc, c'est que même si la série se vend très bien, partez de ce principe-là. Le truc, c'est que le grand public... En partant de ce principe-là, à qui s'adresse ce jeu ? Je vous le dis, à des joueurs moins expérimentés et à des jeunes joueurs. Voilà, c'est exactement... Et c'est pour ça qu'Ubisoft le sort. Parce qu'il leur faut un jeu de ce type-là dans leur catalogue. Oui, parce qu'il serait un peu plus mature, tu vois, dans son thème. Je pense que le projet n'aurait même pas été beau parce qu'ils diraient, on a Assassin's Creed. Oui, c'est quoi. Ça. Mais là, pourquoi du coup, tu vois, de le transformer, de le rendre plus accessible à une audience un peu plus jeune. Du coup, il existe dans le catalogue. Non, mais celui-là, disons que je peux laisser jouer mes enfants tout seul. C'est ça. Et j'ai pas de soucis, je sais qu'il va pas se passer, il va pas finir décapité, la tête sur une pique. Quoi. Et puis surtout, il y a une chose du coup qu'a pu tester Tavion, mais du coup j'ai aussi pu tester dans la démo, c'est qu'il y a un narrateur qui... Alors, c'est un truc que moi j'aime pas, je pense que tu as bien d'accord avec moi, c'est que le narrateur t'explique constamment ce que tu es en train de faire. Ah bon ? Et donc de ce fait, le joueur, il est aussi constamment pris par la main. Tu n'as pas d'option pour le désactiver, en tout cas pas sur la démo. Et c'est Lionel Astier effectivement qui incarne. Il y a Zeus et Prométhée. Oui. Voilà. Et en fait, tu as Prométhée qui raconte l'histoire de ce personnage à Zeus. C'est pas que le trailer ? Et en fait, c'est le prémisse. Et en fait, toute cette narration des deux qui s'envoient des vannes, des piques, est constamment, mais jusque dans la création du personnage. Ouais. C'est même un peu trop. Parce que c'est... Ah, oh, tiens, il est roux. Tiens, il avait des oreilles. Enfin, tu vois, là, tu vois. Et justement, on peut en parler, parce que j'ai pu le tester justement avec la VF. Et tu vois, on avait une petite pastille avec les doublages de Lionel Astier. Et malheureusement, moi j'ai trouvé que c'est ce qui marchait le moins bien dans les doublages. C'était un peu trop forcé. Le reste du cast était
nickel. Par contre, là, ça collait pas. Ça les vannes, les blagues, ça. C'est l'interprétation ou c'est le texte? Ou les deux? Je pense que c'est l'interprétation. Ouais, aussi, non, l'interprétation. Hein. Mm-hmm. Parce que toi-même, tu le sais, c'est pas parce que tu es comédien que tu es un bon comédien de doublage. Et c'est pas parce que tu es comédien de doublage que tu es un comédien. Non, mais et il y en a plein, ça se voit sur Lionel Astier. Et c'était la même chose avec son fils d'ailleurs, Alexandre Astier sur Mass Effect Andromeda. Je sais pas si vous vous souvenez, il incarne un personnage dans oui, Andromeda. Il y avait un petit personnage. C'était un petit personnage, ouais. Mais et pareil, ça sonnait faux. Enfin, le problème, c'est qu'il a tendance à lire son texte. Ouais. Ça s'entend. Est-ce que ça sonne faux pour des raisons plausibles ou est-ce que ça sonne faux parce que ça sonne pas comme vous avez l'impression d'entendre Lionel Astier d'habitude? Oh non, ça va encore. Ça, justement, il arrive à suffisamment se décoller de Kaamelott. C'est pas Léo Dagan dans le jeu. C'est la voix de Lionel Astier. Si il joue pas le personnage de Kaamelott dans le jeu. C'est une interprétation qui est très théâtrale, donc qui est très lue. Et en fait, ça fonctionne pas. Et parfois, les intonations sont très exagérées. Oui. Donc, et du coup, quand Prométhée où ça colle bien. Et derrière, t'as une phrase qui te sort complètement du truc. C'est insupportable parce que c'est tout le temps. Mais si en plus, c'est pas très bien fait. Je sais pas, ouais, il y a un truc qui m'a. Voilà, ça m'a un peu gêné, cette VF. Mmh. Voilà. Et c'est-à-dire qu'au bout de 4 heures de jeu. Ouais. Oui. J'avais un peu plein la tête. Non, mais ça fait vendre. Ah, bah, bien sûr, que la présence de Lionel Astier, oui. C'est logique. Non, mais en plus, mais je rigole. Non, 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 mais en vrai, si. Non, en France, on voit ta oui. tête sur les boîtes de jeu, Donald. C'est un vaste. C'est un long débat qui pourrait me causer beaucoup de soucis, mais on Avec un autocollant. Mais, ouais, non, avec, mais... avec un autocollant Titeuf. Non, mais. Avec la voix de Titeuf. Mon problème, et je vais être hyper. Avec la voix de Sora, il y a longtemps. Ils s'en foutent. Non, moi, je m'en fous. En fait, j'ai posé la question. Mon problème, c'est que ça a bien fonctionné sur pas mal de jeux qui ont été très cultes, mais pas pour ce que j'ai fait, mais le jeu en lui-même, comme Kingdom Hearts ou Spider-Man. Et que, du coup. Pour ceux qui s'occupent de localiser les jeux, c'est pas forcément les éditeurs eux-mêmes. Souvent, passent par des prestataires et que souvent les prestataires ne font une version européenne. Ouais. Ils savent pas qui est qui. Bien Donc sûr. Du coup, pour eux, ils me prennent moi et en dessous il y a le nom de Alberto Sanchez, dit n'importe quoi, qui fait Sora en espagnol et que du coup ils s'en foutent et donc du coup ils communiquent pas dessus parce qu'ils commandent une version européenne et que l'éditeur il commande son doublage et que ça tombe bien c'est moi et du coup les gens aiment bien et tant mieux. Mais ils ne le commandent pas ça. Donc, tant qu'il n'y a pas de vraie démarche de l'éditeur, du créateur, de dire « je voudrais que Donald le fasse », ça ne peut pas arriver. Il faudrait que tu sois dans un jeu Ubisoft, du coup. Qui est une boîte française qui a en avancé un. Hein, il l'a déjà été dans Ghost Recon Wildlands et au tout début de Ghost Recon Breakpoint. Oui, mais c'était pas une démarche de Ubi. C'était le gars qui m'avait dit « ce serait cool que tu le fasses », mais ce n'est pas Ubi qui est venu me chercher. Oui, voilà, si Ubi sait que je suis ultra fan des Assassin's Creed et qu'ils viennent me chercher, peut-être qu'on pourra arriver des trucs comme là avec Lionel Astier et que je suis gamer, je suis comédien, on peut arriver à faire un truc qui est cool. Sur Spider-Man, c'est eux qui sont venus te chercher ? Non. C'était le DA parce que et voilà sur Spider-Man sur le PS4 à la base ils cherchaient pas forcément la voix ni de Tom Holland ni d'Andrew Garfield ni de Tobey Maguire, mais que on a été plusieurs à passer le casting. Je sais pas qui l'a passé au final, mais j'ai été pris en mode casting normal, donc du coup j'avais pas de prétention à communiquer avec le jeu à sa sortie, même si ça a pas mal fait parler au total quoi. D'accord. Voilà ce petit aparté sur le doublage. Je ne perds pas espoir de te retrouver un jour sur les boîtes de jeu. Ce serait énorme. Petite tête. Petite dédicace. Avec l'animateur de cet ECR. en tout cas, rendez-vous le 3 décembre. Tout à fait. Sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Je rappelle d'ailleurs que la mise à jour sera gratuite. Ça, c'est bien. Et voilà, parfait. N'empêche, le fait que Cyberpunk soit repoussé, ça donne un boulevard pour tous les jeux Ubisoft, Watch Dogs, Assassin's Creed et Immortal. Mais moi, je pense surtout à Watch Dogs. Là. Boulevard. Ah ouais. On va y jouer juste après, mais Watch Dogs, clairement, c'était celui qui était le plus en difficulté parce que Assassin's Creed, de fou. Voilà. Aujourd'hui, à une main. Voilà. C'est ça, il est là, hop, là, c'est parti. Ils doivent vraiment, ils doivent être contents. Du côté de Montreuil, là, ils sont sortis champagne. Il fait champagne. À Toronto, Watch Dogs, c'est Toronto. Ah, du côté de Montreuil aussi. Est-ce que c'est pas justement parce qu'il y avait trop de jeux là qu'ils ont préféré reporter? Parce que l'officiel, c'est l'expérience. S'il y a le patch. Peut-être qu'ils voulaient absolument sortir le patch en même temps. C'est la version officielle. Mmh. Ouais. Moi, ça m'arrange de ne pas me dire « Ah, je l'ai, mais je ne vais pas y toucher. » Ou alors, le jeu est méga buggé
Possible. Et que vraiment, ça prend trop de temps de le débugger. Moi, je pense que c'est vraiment l'histoire de patch. Pour moi, c'est pas forcément mytho. C'est le patch sortir en décalé. Ouais, que... ils en parlent. Je sais pas. Bon, par contre, quand tu imprimes une version gold et qu'on te dit le jeu il est repoussé, il est pas fini, en vérité, il va se retrouver quoi sur nos CD demain ? En fait, il va se retrouver la clé. La clé du jeu qui restera à télécharger. J'avais noté ton CD, c'est la clé du jeu. Nos estimations de patch day one. C'était pour. Pour Miles patch... Morales, c'était ça qu'on avait noté. Ouais, t'avais pris les. Ouais. On a qu'à le faire sur Cyberpunk. Ouais. Là, t'avais pris les paris, voilà, c'est ça. Moi, j'ai dit 2 gigas, je crois, un truc comme ça. Pour Cyberpunk ? Non, pour Miles Morales. Ah oui. Mais pour Cyberpunk, moi, je pense qu'un patch day one de. Oh bah là. Vu qu'il y a le patch next-gen, en prenant en compte les textures next-gen. 40. Je dirais 30. Entre 25 et 30. On verra. Combien ? L'avenir nous le dira. 17. 17. 39. Comme ça, j'ai un chiffre qui est pas rond. Je tu notes, hein, tu notes. Je vais dire 28. Bah, petit ami est en train de noter. Non, il est sur Internet. Bon, il est au. Il est sur le bon coin, là. Putain, fais un effort, Titam. Il est en train de chercher sa PS5. C'est ça. Et la bune, elle a seulement 1400 euros. En fait, ça a tenu la colle pour le socle, Ken, là. Tout à l'heure, t'as réparé. Non, c'est bon. Oui, je. La craque. En fait, quelqu'un a mis. Vous savez, il y a une vis dans le socle de PlayStation, là, ici à l'intérieur. Ah. Quelqu'un l'a mis tout simplement dans le mauvais sens. Oh my et quand God. Tu mets cette vis dans le mauvais et sens, bah, coup, elle est très difficile à retirer. Voilà. Ah, voilà. Notre sauveur est arrivé. Heureusement qu'il est là. Hein. Bon, on a parlé justement des jeux qui allaient bénéficier de ce report de Watch Dogs. Attends. Quoi, qu'est-ce qui se passe ? C'est qui le quelqu'un qu'elle a ? Parce qu'en fait, je viens de voir ton regard. C'est vraiment, toi. Les gens qui mettent cette vis dans le mauvais sens, ils devraient vraiment... vraiment jamais les laisser approcher une nouvelle console. C'est bien ce que je me dis. Mais mon Dieu. T'avais dit combien ? 28. Moi, 39. C'est quoi ? On est Cyberpunk ? Ouais, le patch day one. 70 gigas. 70, le patch day one. Et vous, le chat, combien vous pensez que le patch day one sera ? C'est le jeu en entier. Le patch day one, c'est le jeu en entier. Le jeu sortira jamais. La version gold, c'est juste la clé CD. 50, 10, 15, la plupart, il y en a un 120 là en jeu, il est... Il est un petit peu énervé. 120. Ouais, ça va. Et la plupart, c'est 20, 15 gigas pour le chat. Il y a 150 avec Cataplaz qui est craqué. On verra. De toute façon, enfin, je pense qu'avec. En vrai, je pense que le patch next-gen, ça dépassera pas les 30. Ouais, beaucoup quand même. Ouais. Déjà, c'est beaucoup. Ça dépend si les textures 4K sont déjà là ou pas. Ouais. Oui, ça dépend sur quel match on lance aussi. Hein. Parce que si on fait la patch day one sur PS4 ou sur la PS5, ça va être forcément beaucoup plus... On parle de patch PS5. Là. Ouais. Okay. Rendez-vous du coup le 10 décembre, c'est ça ? Tout à fait le 10 décembre. Enfin, jusqu'à maintenant. Oui. On n'est pas à l'abri. Hein. On n'a pas donné l'année. Il va sortir pour Animal Crossing 2. Et pour Doom Eternal 2 Remastered. C'est ça. Sacré mois de mars. Bon, en attendant, celui qui a un boulevard, c'est Watch Dogs Légion. Il me tarde, moi aussi, de voir à quoi ça ressemble. C'est tout de suite, c'est le classico. On a un petit quart d'heure pour y jouer ensemble. C'est parti. Et notre testeur en herbe n'est autre que l'ami Titavion qui le teste aujourd'hui sur notre PlayStation 4. Bonjour. On en est où sur c'est le début du jeu, c'est le milieu, c'est quoi ? Tout début du jeu en fait, vu que le jeu démarre assez vite par un petit moment action, donc du coup je l'ai même pas lancé. On va le. Donc juste pour rappel, effectivement le jeu sort jeudi sur PlayStation 4. Il disposera donc, comme on l'a dit dans la news, d'un patch next-gen et d'une mise à jour gratuite de la version PS5, pardon, si vous possédez déjà la version PS4. Effectivement. Il faut te connecter à Ubi, sérieusement. Ah. Vas-y, clique sur appuyer. Il faut le compte Ubi Play. Okay. Mais non. Bon, bref, je vais raconter ma vie en attendant. Vas-y, s'il te plaît, Sylvain. Donc, le jeu se déroule du coup dans un Londres post-Brexit où Londres a été, en tout cas, même plutôt d'une manière générale, c'est même le Royaume-Uni d'une manière générale qui a été
mis en difficulté par le Brexit et surtout par DeadSec, le fameux groupe de hackers qui était au cœur en fait du scénario de Watch Dogs 1 et de Watch Dogs 2. Ils ont investi donc la ville de Londres et en fait ils vont se rendre compte qu'il y a des méchants terroristes qui se comme font par passer. Hasard. Enfin, en tout cas, il y a des méchants terroristes qui se font passer pour une entreprise, ma foi, fort sympathique aux yeux du gouvernement, pour remporter des contrats, qui est en fait, qui se fait passer aussi pour DeadSec. Et donc, de ce fait. Ça va, toi. On a tous des mails à la con qui datent de 15 ans. Non, pas le mail. Ne mets pas le... Oui, ne pas. Le mets pas là. Je vais pas avoir 7000 personnes qui ont mon mail là. Et effectivement. Jamais vous le devinerez. Hein. Ah ouais, il y en a qui a dû rigoler là, c'est la semaine dernière quand il m'a sauvé d'un boss que je n'arrivais pas à passer, le Shirken. Moi, je ne suis pas étonné. Non, mais en tout cas, je trouve que comme mail, je suis la voix de Sora en français at altmail.com. C'est couillu. Bon, en tout cas, voilà. Le but, ça va être de restaurer l'honneur de DeadSec et de montrer le vrai visage d'Albion, qui n'est pas le monde de Fable, mais l'entreprise militaire derrière, effectivement, les actions terroristes de Watch Dogs Légion. Troisième épisode de la franchise. L'un des grands intérêts de ce dernier épisode, auquel on ne va vraisemblablement pas pouvoir jouer, il n'est pas lié à mon compte PlayStation. Sinon, déconnecter l'un d'Internet. Hein, ah, mais je prends avec le mien, mon compte tout court. Tiens. Sinon, oui, à ce moment-là, déconnecter la console d'Internet. Mais quel bordel. Donc, effectivement, l'un des grands intérêts de ce nouvel épisode, c'est, en tout cas, au-delà des fonctionnalités de hacking qui ont un peu évolué, notamment parce que le jeu est un petit peu plus futuriste que précédemment, ça va être la possibilité d'incarner n'importe quel personnage du monde. J'ai encore 10 minutes à meubler. Oui, j'ai encore 10 minutes à meubler, ça va être très long. Ça va être très très long. Vous pouvez vraiment faire tout. Ah, vas-y, fais péter en attendant, merci. Et ben voilà. Quel sauveur. Donc là, on vous explique ce qui se passe. C'est qu'en fait, Watch Dogs nous demande de nous connecter à notre compte Ubisoft pour lancer le jeu. Je ne comprends pas pourquoi. Voilà, et comme le compte JVTV est déjà associé à un compte Ubisoft qu'on ne connaît pas. Tout à fait. Nice. Merci. Donc c'est normalement, enfin, il me semble qu'il y a quand même moyen de jouer hors connexion. Je suis pas sûr. 2020 quand même. Mais c'est vrai que c'est pour leur système du succès Uplay. Ouais, mais rien à faire. Ah, remarque, leur système Uplay, quand tu veux commander après sur le store, les réductions avec les jetons Uplay, oui, elles sont énormes. Pour 1000 points, à 20%. Ah ouais, et ça va très vite. Hein, sur le collector de Valhalla que j'ai pris, mon solde de l'année, voilà, ça l'a fait passer, ça a descendu le prix, je ne sais plus de... C'est combien c'était ? Je sais pas. Là, c'est 20%. Non, mais en euros, je ne sais plus combien c'était. Ah. Mais en tout cas, c'était vraiment, tu sentais la réduction, c'était pas rien, quoi. Ça n'enlevait pas 5 balles. Hein. Là, les consoles vont être de plus en plus rapides. Tu arrives sur ta PS5, tu vas booter le jeu en 2 secondes, et là, on va te demander de te connecter. Ouais. Et il va falloir taper le mail, le mot de passe, vérifier la connexion, machin. En fait, c'est fini, tu peux pas juste jouer. Ah, parfait. Bon, bah, merci. Du coup, on va pouvoir installer on va pouvoir montrer l'écran de jeu, si vous voulez bien, cher Régie. On va le voir dans l'introduction. L'un des grands intérêts, je le disais, de ce. Ah oui. Putain, mais c'est pas possible. En anglais. Ah oui, parce que les jeux Ubi, c'était Assassin's Creed, tu pouvais avoir le français, mais il fallait le télécharger. De base, il est en anglais, et si tu veux le français, il faut le télécharger. Ce qui est pas trop grave. Alors vous avez effectivement la possibilité d'avoir la mort définitive pour les personnages, parce que comme je le disais depuis tout à l'heure, j'essaie d'en placer une. Vous avez la possibilité d'incarner tous les PNJ du monde que vous croisez, de les recruter. Donc il y en a certains où vous aurez plus de difficultés pour les recruter, notamment parce que y a des persos qui seront contre DeadSec, ou alors ils auront un historique. Par exemple, si vous avez frappé son frère la veille dans un quartier de Londres, et ben si c'est son frère, il sera vénère contre DeadSec, donc il sera beaucoup plus difficile à recruter, alors que peut-être qu'il a des abilities assez intéressantes. Et chaque personnage justement à ces abilities qui peuvent changer du tout au tout votre manière de gérer une situation. L'autre truc aussi, c'est que grâce justement à la possibilité de changer ces personnages, c'est que vous pouvez actionner dans les options la possibilité de rendre la mort
définitive. Alors, vaut le coup ça ou c'est de la difficulté pour rien? C'est de la difficulté. En fait, ça va dépendre de votre façon de jouer. C'est que vous pouvez toujours recruter des gens et encore jusqu'à avoir un roster de personnages. Et le but, c'est de trouver le meilleur roster possible et de le faire survivre au maximum. Mais pour ça, alors, le mode, vous avez un premier mode de mort définitive qui vous permet, que vous pouvez changer à tout moment. Donc, si vous voyez que c'est trop chiant, vous pouvez. Vivement le SSD, hein. Il est là, le socle. Voilà. On a la police, PlayStation 5 qui est arrivée. Donc, vas-y, lance-le, vas-y, comme ça. Vas-y, comme... Je vais lui remonter, je vais remonter. Du coup, si jamais effectivement vous perdez tous vos personnages, mais que vous n'aviez pas rebasculé vers l'option qui permettait de faire revive des personnages, vous perdez complètement la partie. Donc en fait, la difficulté est un peu plus. Disons que la pression au-delà de la difficulté est quand même un petit peu plus intense. De plus, et c'est là où on remercie vivement que le SSD arrive sur PS5 d'ailleurs. Et pareil, vous avez aussi le mode Iron Man qui reprend le concept de la mort définitive. Simplement, vous ne pouvez pas changer cette option à n'importe quel moment du jeu. Si vous commencez la partie en tant qu'Iron Man, vous devez la terminer en mode Iron Man. C'est quoi Iron Man? C'est mort définitive. Non, ça n'a rien à voir avec la difficulté, c'est la mort définitive des personnages. La différence, si tu préfères, tu as le mode normal où tes personnages ils peuvent revive, le mode mort définitive. Mais vous pouvez le changer à tout moment dans le jeu. Et le mode Iron Man, qui lui, ne peut pas être changé une fois la partie lancée. Et vous perdez tout, hein, si vous perdez vos persos. Donc il faut toujours faire attention à faire en sorte que vos persos restent en vie. Et en même temps, recruter constamment des nouvelles personnes pour utiliser leurs abilities. C'est qu'il y a je crois qu'il y a un médecin qui est là pour justement faire revive les personnages qui sont à l'hôpital pour un certain laps de temps. Un cooldown. Pour le mode de difficulté classique, donc sans. Pas moche, hein. Ah, non, Londres est vachement bien fait. Hein. Le jeu rend très bien de nuit. Ouais. un peu moins de jours. Oui, deux jours, bon, c'est un peu. Tu vois que c'est le moteur Anvil hein, qui est celui de Valiant Streets. Toujours Anvil. Et que le jeu était à la base prévu pour l'année fiscale précédente. Donc évidemment, c'est pas un jeu qui est entre deux générations. Bah, c'est un jeu qui était prévu pour la génération précédente. Ah non, bien sûr. Mais je suis moi vraiment pressé. Après, là, c'est une cinématique. Hein, c'est pas une cinématique in-game. Ils n'utilisent pas le moteur. Hein. Enfin, à moitié. Mais le jeu est très propre. Le jeu est effectivement très propre. Vous avez juste des temps de chargement un peu longs. Mais voilà, le SSD viendra justement corriger. C'est très bien, on va avoir la cinématique de début. C'est parfait hein, pour montrer le jeu. après, ça démarre et ça s'enchaîne. En 4 minutes, ça va être... C'est bon, je regarde, je joue. Allez, on joue. Qui charge, voilà. Tu joues James Bond, donc. Là, oui, c'est un des innombrables personnages disponibles. Et le truc, c'est que forcément, vous avez des personnages qui sont très différents en termes de caractère. Il y a quasiment autant de personnages recrutables que de voix françaises. D'ailleurs, ça dit en passant. Déjà le casting de VF est assez même pas une énorme. Seconde de mais ils ont galéré des mois et des mois d'enregistrement. J'en ai parlé avec eux. C'était un sacré challenge. Surtout pour le... Je désolé, peut-être je radote, on en a peut-être déjà parlé, mais ils ont galéré. C'est qu'en anglais, il y a tous les accents de Londres qui sont dedans. Et qu'en français, oui, on en a parlé pour l'accent marseillais. Mais c'était difficile. C'est un vrai challenge quand tu as des jeux comme ça qui sont typiques de Londres. Qu'est-ce que tu fais pour la VF? Et ils se sont arrachés les cheveux. Je pense que du coup, il y a des accents marseillais. C'est vrai que c'est dur. Hein. J'aurais pas voulu le diriger, hein, ce jeu. Hein. C'est, au niveau de la prise de décision pour la direction artistique, ça a pas dû être facile à faire. Alors, on peut distraire, c'est ça? C'est ça, on peut distraire du coup parce que évidemment on reprend tous les poncifs de Watch Dogs, on peut pirater des caméras, on peut créer des pièges, tuer des personnages à distance justement, les distraire pour faire en sorte ça, que... Ça c'est distraire ça... Non, là j'ai déclenché un piège à distance. Voilà. J'avais bien aimé le 1. Le 2, toujours pas fait, mais je crois que je vais faire celui-là avant de faire le 2. Hein. Rappelons que les tests arrivent demain, hein, notamment sur jeuxvideo.com. A priori, hein, on part sur un bon jeu. On peut pas vraiment vous donner notre avis. Moi, perso, j'ai pu y jouer à peu près 7 heures. Ouais. 6 et 7 heures. Quand même. Du coup, je vous donnerai peut-être mon avis la semaine prochaine. Mais la semaine prochaine, puisqu'il nous reste que 2 minutes, on aura plein de choses à faire. On aura notamment les premiers retours, les premiers vrais retours de la PlayStation 5, mon cher Donald. Ça, c'est le programme de la semaine prochaine ? C'est le programme. Et ainsi que, du coup, normalement, si tout va bien, puisqu'on n'est pas encore reconfiné, mais bientôt, on aura Gauthier de Bungie Europe. Semaine prochaine ? Semaine prochaine, en interview, qui viendra évidemment nous parler de quoi ?
Merci. Allez, 2D6. C'est ça qui est beau. C'est là, on va pouvoir l'utiliser toutes les 30 secondes, ce petit son de Destiny 2 qui nous fait tant plaisir. Bon, on n'aura pas vu grand-chose de Watch Dogs Legion, mais... Le jeu sort jeudi. On se retrouvera pour le test sur jeuxvideo.com et puis je suis sûr qu'il y aura d'autres émissions sur le stream où vous pourrez avoir un avis éclairé sur le jeu. Mais moi, ça me fait toujours autant envie. Voilà, c'est clairement ma cam. J'ai envie de le tester et de voir... pour terminer, il y aura une évolution vers la next gen gratuitement. Elle est gratuite, effectivement. Si vous l'achetez sur PS4, vous l'aurez gratuitement sur PS5. Et ben, c'est du tout bon. Merci Sylvain. Merci Ken. Merci Donald. J'ai un acheteur à 150€ sur le bon coin. Là, tout de suite, on y va juste après. Là, petit avion, bonne soirée. Il faut arrêter de jouer là maintenant. C'est terminé. C'est trop bien. Merci à vous, la régie. Merci à vous qui nous regardez comme d'habitude. C'était CTCR, votre actualité PlayStation. Et moi, j'essaie de repartir avec la DualSense parce qu'elle me plaît beaucoup. Allez, salut. À la semaine prochaine. Même endroit, même heure. Charisme.